Je prépare. Là, normalement, mon antenne se lance. Tu peux tout doucement faire un relais de chaîne si le cœur t'en dit. Merci à toi. Voilà. Et merci à ceux qui auront les rediffusions sur Twitch ou YouTube. Donc voilà, on va préparer ce qu'il faut pour le raid. Ouais, moi je quitte, je lance ma propre vocale. Bisous, à plus. Salut. Donc Nayone, bon jeu de camion, hein. Que vous allez oui, merci, merci. C'est un jeu de camion, donc... Ouais. Je devrais le faire plutôt en vocal avec tout le monde, parce que franchement, je sais pas si c'est mieux. Pas vous de voir, mais... Ouais, bah, moi je suis pour. Ouais, je suis pour. Enfin, c'est un jeu où vous pouvez discuter en même temps par écrit aussi bien, parce que... Enfin, je sais pas, hein, mais ça va pas l'air. Attends, enfin, vous voyez. Oui, j'ai plus ma souris. Merde, j'ai un bug avec le jeu. Attention, je suis en train de lancer le raid. Oui, tu peux, si tu veux, je suis... Bonjour à toutes et toutes, ben, j'ai même pas celui de mon public. Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. On enchaîne les directs, mais... j'essaie de revoir le curseur de la souris sur le Discord pour justement me désengager de notre commune pour que je revienne en mon territoire au niveau de la vocale pour le vroom vroom camion. Bah moi j'ai me désengagé moi aussi de la vocale commune et je vous dis au revoir, peut-être à tout à l'heure. J'ai oublié. Ouais, peut-être à tout de suite. Je vous entends plus mais c'est une affaire de quelques secondes. Normalement, il faut que je passe en mode vroom vroom camion, qui est le mode là, je crois. Oui, je crois qu'on fait comme ça non pour le camion. Voilà, je suis là. Là, je suis là. Bonjour à tous et bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Bonjour, mon cher Nain Honnête. Nous allons prendre la route des 7 de nœud avec une petite nouveauté me concernant. J'ai acheté hier soir avec les petits sous-sous qui me restaient dans ma cagnotte. Enfin, ma cagnotte. Ne pas confondre avec celle de la chaîne. Vraiment, mes sous à moi. J'avais quelques deniers dans le compte Steam et je me suis pris des accessoires de cabine. C'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Je suis avec moi à la vocale. Ouais. Alors c'est moi qui vais héberger, pardon. Oui, alors je cherche le raccourci du jeu de camion. Tac. Oh, tu l'as lancé vite, moi j'ai pas encore lancé. Oui, mais c'est pas grave. Prends ton tour. Jeu de camion américain. C'est parti. Alors comme j'ai dit, je vais prendre une remorque, trois remorques. Mon voisin, je sais pas ce qu'il a cet après-midi, mais il arrête pas de jouer de la flûte. Je sais pas si ça s'est entendu pendant le stream. On entend un peu, ouais. Bah non, c'est... Là, je vais fermer la fenêtre. Oui. Oh, très bien, j'ai pas vu le chat sur le côté. Je préfère entendre jouer de la flûte qu'entendre ma mère râler parce qu'elle a pas de pile. Le choix est vite. Bah, le temps que Nainonette arrive, je vais vous présenter mes accessoires de cabine. Oui, vas-y. Tout le temps parce que là il faut que je déverrouille un truc. Ouais, relax, ouais. Vas-y. Ouais. Et d'ailleurs, faut que je me fasse la boisson. Je me suis pas fait de boisson, mais j'ai soif. Donc, je vous présente mes accessoires de cabine, je me fais de la boisson et seulement après on prend le volant. Ce qui te laissera le temps de rejoindre, de choisir une mission si tu veux. Voilà. Elle est jolie la manette. Hein. Oui, t'aimes bien, moi elle est tout pour moi, elle est magnifique. Bah justement, alors attends, je veux pas faire bugger le jeu, je veux pas basculer d'une fenêtre à l'autre pendant qu'il fait le chargement, parce que j'ai peur de le faire planter. Je pourrais brièvement vous présenter ma manette. Bah là je suis en petit cadre, mais vous voyez que j'ai un côté qui est déjà bouffé. Je sais pas si vous le voyez bien. Ah si, là vous le voyez même. Vous voyez, j'ai bousillé, alors que ça devrait être noir comme ça, c'est la qualité que vous aviez parlé. Ça devrait être bien noir comme ça, quand c'est neuf. Et moi j'ai tellement. Je suis tellement de la main des doigts que j'ai bouffé le noir de la manette. Et c'est devenu bleu. Ça s'est découvert, vous pouvez le voir. Vas-y, je concentre. Ah, mais c'est hors sujet, moi. C'est... Ok, alors pour la manette, justement, ils vendent des coques de manette que tu mets sur ta manette et que ça protège un peu. Ça fait une protection de manette. Comme sur les coques de téléphone. Mmh. J'ai découvert ça hier dans un magasin Discount. Mmh. Non, c'est pas idiot. Je voulais en trouver une à la couleur pas mal, mais je l'ai pas fait. J'ai bien le truc avec l'alien, c'est sympa. Ouais,
Les petites aliens en déco sur le tableau de bord. J'ai mon café, ma glacière, mon sac pour mes affaires. Je me suis projeté comme si j'étais en vrai dans la vraie vie. Et bon, il y a le petit truc à agrumes qui pendouille, qui sent bon. La flotte pour survivre. J'ai un petit autocollant, voyez, camion sur le côté. Mon oreiller dodo triple Z, la couverture et le drapeau américain. Voilà, tu voulais dire quoi, mon cher Funfan? Alors, petite info qui peut intéresser certaines personnes, mais je crois pas ici, peut-être les gens qui auront ta rediffusion. Dina, qui est la championne, qui a été une grande championne, vice-championne du monde du jeu Just Dance et trois fois championne de France. Oui. Donc, qui a des bonnes relations avec Ubisoft. Vient d'annoncer que le prochain Just Dance, qui sera l'édition 2023, ne sortira pas sur Xbox One et PS4. Donc voilà, c'est assez surprenant qui d'ailleurs, par exemple, si vous prenez les éditions précédentes, ils ont gardé très longtemps la Wii, et là, de suite, ils se débarrassent de ces éditions de jeux. Je suis assez surpris, surtout que c'est encore des consoles bien récentes, qu'un jeu comme ça, ça ne demande pas trop de puissance, pas trop de graphique. Je suis surpris que Ubisoft veuille passer rapidement à la nouvelle génération. Attends, je vais faire mon glouglou, je reviens. Donc, je suis un peu déçu. Voilà, rapidement, on essaye de nous. On a l'impression que c'est que grâce à la pénurie que cette génération elle a tenu. Donc voilà. Si vous êtes fan de Just Dance et vous voulez continuer à jouer, vous n'aurez pas le choix, il faudra prendre une PlayStation 5. Ou une série XY de chez Ubi, ou la Nintendo Switch. La Nintendo Switch est encore soutenue, par contre. Ce qui va faire râler encore certains. Mais c'est normal, je dirais, la Switch est la dernière de chez Nintendo, donc ça me paraît normal qu'elle soit encore soutenue. Mais voilà. Ok, alors... Je fous le quick travel. Voyage rapide, donc, dans le jeu. Tac. Et je vais aller par là. La charge. Ah. Voilà. Excusez-moi, ouais. Me revoilà. Oui. Je vais chercher ma... Oui. Yeah. Pardon. Il y a Hello qui dit sur le sage, sur le chat du sage. Le sage, il aime pas les manettes Xbox, il arrive pas à s'y faire, mais il a les sticks ATX comme sur les Xbox. Bah oui. Asymétrique, pardon. Voilà. Asymétrique. Mambalba. Asymétrique. Pourquoi l'accent russe? Oui, surtout que c'est nos amis québécois qui sont célèbres pour dire « c'est asymétrique ». Non, merde, je fais un... Je sais plus quelle action je fais, c'est pas grave. Bref, je vous écoute, dites-moi tout. Et est-ce que Lara Croft était asymétrique à ses débuts? J'en suis pas sûr. Alors, le sage, si tu peux te rendre à Las Vegas ou... Attends, j'ai déjà attaché ma remorque. Dans quelle ville te trouves-tu, le sage? Je ne sais plus, et avant même ça, je serais tenté de rester momentanément en solo pour refaire le plein. J'ai plus que 15% oui. De réservoir. Bah vas-y, tu peux le faire maintenant, même si je suis pas... Ouais. Si je suis dans la partie. Et je te rejoindrai à Las Vegas après, en téléportation. Le problème, c'est qu'il faut que je trouve... Ah si, il y a de l'essence là-bas. Oh merde, je suis à contre-sens, je crois. Ah non, merde, je suis dans le parking. Oh là, j'ai rien compris. Hop. Oh. J'ai failli rentrer dans une vilaine collision, là. Ah, puis il a une remorque, ce nénuche. Oh, ça va, les petites. Je suis bien là, c'est une petite remorque. J'ai une remorque immense. Alors, j'ai... Oui, t'as une remorque immense? Oui, une remorque de 3 compartiments. Donc, si tu veux prendre un travail, prends un travail avec une remorque fermée. Je sais pas. Par si contre, possible. J'ai reconfiguré ma manette. J'avais eu un bug de manette. Je suis moins à l'aise qu'avant. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai essayé de passer une heure à reconfigurer ma manette et c'est perfectible. Mais, ouais, bon. Mais là, c'est très spécial. Tu peux faire ce que tu veux avec les configurations de manette quasiment. Mm.
déjà à 99%, mais quand tu tombes dans les 1%, c'est vrai que c'est un peu... Ou dans les 15% que tu veux pas, enfin dans les... Mmh. C'est vrai que c'est pas évident. Mais une fois que c'est réglé, c'est réglé. Normalement, ça passe. Oh non, j'ai sommeil, j'avais pas vu. Bon, c'est pas grave, je dormirai plus tard. Donc voilà, je vais voir où t'es sur la map. Je vais te rejoindre. Donc t'es à Phoenix. Ne bouge pas, Drake. J'arrive. Alors, petit psycho, il y a là son truc. Tu vas aller ici, t'es là. Moi, je vais tu aller à l'essence. Aller... Alors, l'essence et le garage, il est juste là. Ok, je vais prendre le garage. Tac, le garage de Las Vegas. Ah non, Hello, tu as le bon mot. C'est juste que... C'est moi qui ai eu un peu du mal à le lire, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Hein. Non, pas qu'on voit. Garage J'aime manager. Bien le petit alien, là. Il a l'air sympa. Oui, rigolo. Un pins de Rollo Swell. Mince. Est-ce qu'on peut avoir le même avec chaque nourrice? Non, il n'est pas inclus dans le jeu. Il faudra payer plus cher. Mais ouais, il faut jouer à Warcraft pour voir World of Warcraft. Je vais attendre que tu aies fini ton déplacement, le sage, pour te faire ta station de service, parce que je te demandais un truc. Okay. Parce que moi, je suis coincé à Las Vegas avec Marmork. Je peux pas aller dans l'état de... Ça s'appelle, c'est... Là où il y a Phoenix dans ta ville. Arizona. Colorado, Arizona. Je peux pas aller dans l'Arizona. Oh. T'es pas autorisé. Faut aller jusqu'à Las Vegas et si tu peux y aller en voyage rapide, ça serait cool. C'était un peu de thune pour voyager. Comme quoi. Ouais, la thune, mais c'est dommage qu'on puisse pas donner la thune en multijoueur. On s'en fout. Comme par hasard, t'es coincé à Las Vegas. Comme certains Probos et ses casinos. Ouais. Alors, tu m'as dit Las Vegas. Ah oui, je te vois. C'est pour ça qu'il a voulu jouer à la version américaine, parce qu'il voulait aller à Las Vegas. Voyage rapide, comment on fait? Surtout que le sage n'a pas acheté la version européenne, donc... Voyage rapide. Alors, voyage rapide, c'est simple. Tu vas dans gestion du garage, dans le menu principal, et ou alors gestion de... Tu es directement sur le... Comment ça s'appelle? Gestion du garage... Urban Travel. Soit voyage rapide, ça te met dans les garages des constructeurs, ou voyage... Est-ce que tu as acheté un garage à Las Vegas? Oui. Donc c'est bon, tu peux y aller. Mais... Si tu as pris la version européenne, c'est pour Monaco, on le sait. Non. Je sais pas s'il y a Monaco, en fait, j'ai jamais fait gaffe sur la carte. Il y a Nice. Ah, très bonne ville. Il y a Marseille. Ah, encore mieux. Il y a Lyon. Il n'y a pas Nancy. Il n'y a pas Nancy. C'est pour ça que le sage n'a pas voulu l'acheter, c'est parce qu'il n'y a pas Nancy, il y a Metz. Ah ouais. Je vais te faire un demi-tour parce que c'est sympa aussi. J'aime bien les réseaux de transport à Lyon. Ils sont chouettes. Ouais, c'est chouette à Paris. C'est sympa à Lyon. Je plaisante quand je dis encore mieux, c'est pour taquiner un niçois, mais comme je suis jamais allé à Nice, je peux pas dire si c'est mieux ou pas que Marseille. Mais la promenade des Anglais a l'air jolie en tout cas. Je vais faire un demi-tour parce que là, c'est la loose. Ah, qu'est-ce que t'as fait? T'as éteint la session, le sage. Oh merde, il a pas aimé que je bascule sur mon autre application. Ah, c'est ma faute, excuse-moi. Je pensais que le jeu était plus souple que ça. Ouais, mais il est souple, mais... Des tu fois, quand il y a trop de charges... Ouais. Je vais juste faire le tour du machin, du pâté de maison, pour reprendre une sieste, parce que je suis en rouge dans le sommeil. Je sais pas si c'est pareil. Je sais pas. Mais j'ai rejoint Las Vegas, c'est déjà ça, en instantané. Voilà, alors... T'es au garage Las Vegas ou au garage commercial de Las Vegas? Là, tu me poses une question, je suis pas foutu de te répondre. Et alors, je vais joindre ta partie. Non, pas ça, pas le défi, je m'en fiche. Tac. Ah oui, puis il faut que je le nomme administrateur, c'est meilleur pour toi. Hop, j'ai pas de passe. Ouais, c'est une session fermée. Voilà, et normalement, je vais voir si t'es là. T'es dans le garage, ouais, c'est bon. Je vais revenir au garage, moi aussi. Ogi dogi. Je vais juste faire le tour du pâté de maison. C'est là. Tu vas me revoir arriver devant le passer comme un prince avec la remorque. Le camion de remorque. Je vais personnaliser un peu, j'ai mis des petits chevaux sur ma remorque.
La petite cheval. Donc là, je veux pas trop faire de manœuvres, j'ai pas compris comment on fait des manœuvres avec ce genre de camion. Si la mission pourrait se faire en ligne droite, ça t'arrangerait bien. On peut faire des routes sinueuses, mais faut que je me prenne bien. Oh non, lui, du pilotant, il va donner 700 balles. Pardon, mais rien que les bretelles d'autoroute, tu vas en baver. Hein. Il y en a certaines, elles sont à angle droit. Ah oui, ouais. Je n'ose même pas y penser. Bah là, c'est déjà c'est bien angle droit. Des fois, il te fout des amendes, d'autres fois, il ne met pas d'amende. Je ne comprends pas. Au feu rouge à droite, il te met des amendes, des fois, il n'en met pas. C'est une compréhensible. Alors, tu me vois arriver là, normalement, au bout de la route, sur la gauche de la sortie du garage, il y a un camion avec une remorque violette et un tracteur vert. Je te coupe la route. Regarde. Oh mon dieu. Oh. Il est fou, ce garçon. Il est fou. Je vais faire un roulé-boulé. Un roulé-boulé. Oh merde, j'ai pas le tourné là, con. Alors, je te suis, on va où? Alors que j'allais percuter une bagnole. Je vais faire une petite sieste. Ok. Fais ta petite sieste. Faut que j'aille prendre un café. Partez prendre un café. Alors là, la remorque, trois remorques, je me demande comment je vais m'en sortir. Je vais passer au milieu, bien proprement. Et je vais tourner comme un propre. On va aller voir Nain O'Neill comment il s'en sort. Tout l'intérêt. Je vais mettre les warnings, je vais boucher la route pour toi, au moins t'auras une voie de libérer. Là, j'ai du mal à sortir du garage, mais je vais quand même sortir. Solidarité entre routiers. Bon. Allez, je mets les warnings. Non, ça c'est le klaxon. Mais c'est ça les warnings. Alors, comment il s'en sort notre Nain O'Neill? Oh mon dieu. La catastrophe. C'est quoi les vues? Je sais plus. Qu'on te mate. Oui. Oh mon dieu. Bien dur. Nanana. Et là? Oh, ce que je disais pendant la promenade. Oh non, quel con, j'ai pas vu qu'il y a un truc. Ah, c'est pas mal vu du dessus le prout là, le GPS. J'ai bien le petit truc. J'ai fait des captures d'écran, merde. J'ai même pas que c'est possible. C'est F12, ouais. Le raccourci Steam. Mais j'ai non, mais qu'est-ce que je fais vu, moi. Ah, c'est ça. C'est beau. Oh, donc j'ai dépensé plein de thunes, notamment plein de thunes pour justement pour cette remorque. Je te vois pas. Je suis au garage. De l'autre côté. Dedans. D'accord. Voilà. Dedans. Je me disais, on le voit pas. Regardez ce beau camion. Un énorme camion. Alors n'oublie okay, pas alors que tu vas pouvoir être indépendant dans 2 heures, Nain O'Neill, puisqu'il y aura le tableau mystère où je vais devoir consacrer 20 minutes à ça avant de revenir vers toi pour le jeu du camion. Je pense que je jouerai un peu en soirée quand même. D'accord. Mais oui. Okay. Quitte à ce que je lui mette un truc, et puis voilà, puis je me coucherai vers les 23h, je peux me le permettre. Est-ce que tu as une remorque avec toi? Non, je suis nu, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, je vais prendre un travail. Des quelle longueur tu veux à peu près? Pas trop chiant, s'il te plaît, parce que je suis pas doué. D'accord. Je vais aller grand maximum, c'est une bétaillère. Hein. Ça me va bien, les petits camions. Ah oui, ok. C'est rigolo, la bétaillère. Mais ok, donc j'ai envie de dire, c'est possible. On est injuste parce que, encore que ça, il faut peut-être que je monte de niveau pour avoir toutes les options, toutes les missions. Mais on pourrait faire voter le public en disant, est-ce que vous souhaitez qu'on prenne une citerne, une bétaillère, un truc d'informatique. Là, il n'y a pas si longtemps, en solo, je m'étais fait des ordis à transporter. Ça m'avait rapporté pas mal. D'accord. Alors, des télévisions. Mais ce que je propose, c'est quelle extension que tu as en fait? Les accessoires de cabine. Ah, t'as pas les Non. T'as Nevada, Californie, Arizona et c'est tout. C'est ça. Ok.
va faire comme ça. Les étapes vont venir plus tard. J'ai pas encore mis la main au portefeuille pour acheter la côte ouest qui est pas chère finalement. Là, elle est en promotion, elle est au prix d'un pays plein tarif qui est 12 euros. Normalement, une extension dans les États-Unis, ça coûte 12 euros. Et là, ils en proposent 3 avec des volants et des roues supplémentaires pour camions, plus les convois exceptionnels pour exploitation forestière. Donc pour 12 euros, je dis pas non, mais je ne l'achèterai que demain. D'accord. Bah écoute, on va livrer des pneus. Ok. Ok, bah c'est juste à côté. Eh ouais, vroom vroom mon cher Twinsen. Alors faut que j'aille dans le menu, je présume. Bah il faut que tu... Déjà il faut que tu recules s'il te plaît. Ah bon? Oh. Oui, pour que je puisse passer. Twinsen, ça m'a manqué tes vannes. Dommage que t'es pas venu hier pour... Enfin tout à l'heure pour me vanner quoi, c'est dommage. J'en manque là, Twinsen. Merci le sage. Ouais, je t'en prie. Maman, ça m'a manqué hein. Oh, le train sur roue, toi. Hallucinant. Ah oui, non, mais... Je sais, c'est hallucinant. Je suis un fou, moi, je voulais montrer un truc de ouf. Ah non, mais c'est là, j'ai pas trop pouvoir faire un truc de ouf, une livraison de ouf. Enfin, je vais faire justement une livraison de ouf, faudra pas que je le conduise comme un ouf. Donc là, tu peux me suivre, si tu veux. Oui, bah, je vais essayer. Donc, je t'attends. Car 3 remorques, ça va être épique. Ouais. Bien. Epic Game, c'est ça. Alors, surtout n'essaie pas. Je vais faire un truc totalement interdit. Je vais faire un demi-tour là. Bah, y a pas de ligne blanche, tu peux le faire. Non, ah, mais. Ah, si, t'as double ligne. Ouais, c'est américain. Allez, passe. Oui, c'est ça, passe mon gars, parce que sinon je vais te faire. Ouais. Dans le milieu avec sa voiture, il va dégager. Paf. Sur César. Et je vais faire un chargement rapide, parce que sinon ça va être. Je vais pas faire de manœuvre. Ouais, non, c'est mission impossible. À se demander même si c'est pas un succès de réussir avec 3 remorques à faire un truc propre, sans assistance. Ça pourrait être un succès. Oulalalala. Vous n'avez rien vu, messieurs, dames. Merci, au revoir, bonne journée. Alors, où est-ce okay. que t'es ? Alors, je suis là, mais... Je vais faire une grosse manœuvre. Ah oui, t'es là. Oui. Attends, j'ai pris la remorque la plus longue possible. En fait. J'en profite pour dire à Hello que sur la PlayStation 5, ils ont fait une nouvelle mise à jour. Et je crois qu'ils ont fait une mise à jour pour que la PS5, tu m'excuseras sur les résolutions, tu me préciseras si tu t'y connais bien, puisse accepter le 1440p. Il me semble que c'est un double K, si je dis pas de conneries. 1440p. Ouais, il me semble que c'est... Alors... Oui. Il veut une résolution 4 tiers sur mon écran, faut que je passe à 1440. Excuse-moi, il y a Bastos qui te dit que tu es pas bon sur la catégorie, tu es encore sur Marvel Extreme. Ah, exact, merci. Enfin, moi, c'est pas normal, marquer, d'ailleurs. Moi, je vois marqué American Stock Simulator. Hein. Fais t'avoir un petit F5 s'il te plaît, Bastos, mais merci du signalement. Mais normalement, non, je devrais être dans la bonne catégorie. Oh, tu vais... Oh non, j'ai pas réussi. Je t'ai coupé, tu parlais du... Non, je comprends pas pourquoi. Ma résolution. Attends, déjà, il y a un truc qui va pas. Déjà, il veut pas me proposer le chargement rapide, ça me va pas du tout. Alors, okay. Qui me confirme bien que le 1440p, c'est bien... C'est bien de la 2K. Le parking, où est-ce que c'est? Donc voilà. Bah, ceux qui râlaient, maintenant, ils vont pouvoir jouer en 2K sur leur PlayStation. Bon, bah, ça va être devoir faire un tour complet. Ah d'accord, ok. Ah, tu m'as mis dans le dos. Dis que c'est bon, ça a été réglé. Ouais. Non, mais merci du signalement quand même, ça faut rester vigilant. Mais après, tu m'as mis dans le dos, tu m'as dit non, mais j'ai souvenir d'avoir démarré avec la bonne catégorie. Ouais, ça arrive, ça. Ok, bah, je refais le tour. Ok, bon courage à toi. Ça marche pas. Vous avez toujours rêvé de vivre 3 heures de direct sur des créneaux en camion. Ce direct est fait pour vous. Exactement. C'est exactement ça. En plus, c'est horrible. Je peux même pas faire de manœuvre correctement.
En fait, faut que tu prennes le même job que moi, le sage. Bah, j'ai pris les pneus, hein, moi. Ouais, ok. Tu m'as dit les pneus. Et t'as pris le truc qui va à... C'est horrible. Ah, je peux pousser un peu la remorque. Oh, les messieurs qui travaillent avec le monde de charge. Bonjour, messieurs. Oh là là, je te vois dans une galère, mon pauvre. J'avance quand même, t'inquiète. Ah, tu peux regarder ce que tu fais via mon retour. C'est terrible, mais oui. Eh bien, on voit que t'as de l'expérience. Doué. Bien. Le problème, c'est que c'est, je vais pouvoir faire le tour, ça va être la même chose. Je sais pas pourquoi je peux pas prendre directement le job. Il me propose pas de prendre le job tranquille. Mmh. Je comprends pas. J'ai pas compris tout à fait la... Bon, j'ai l'impression que ça suit le chemin, la remorque. T'arrives, elle passe là où... pour globalement, où passe le tracteur. Ouais. Maintenant, je vais passer comme ça. Là, je vais ranger complètement parce que je suis déjà à l'intérieur. Oui, c'est vrai qu'il me fallait l'autre rétro. Ouais. Parce que sinon, c'est mission impossible pour moi. Voilà, je crois que je vais réussir cette fois-ci. Oh, je crois que c'est bon, parce qu'il fallait que je fasse un tour complet, non? C'était fait exprès. Peut-être, je sais pas. Super. Super. Donc c'est bien parti. Bon, bah, ça va pas être la galère. Je peux la prendre de traviole. Génial, ça marche, le sage. Bravo, GG. Merci. Ouais. Mickey, Mickey. Alors, on a 500 miles à scoltiner. 500? Wow. Ouais, ça va. 1000 bornes, en gros. Ah, bah, il me retourne, c'est génial. Oh, mais c'est de la facilité, ça. Ne sortez pas ces propos hors de leur contexte. Qu'est-ce que j'allais dire? Et pas de leur bon cœur. Hein. Oh non, la chance, on la laisse où elle est. Ça a donné des idées à toute une scène. Ok, allons à gauche. Voltisson Motors. Je suis prêt, DJ. DJ. Oh la vache. DJ, qu'est-ce que je raconte? Le sage. Je confonds les prénoms, c'est horrible. Des fois, je l'appelle Fanfan, je l'appelle le sage. DJ, je l'appelle le sage. Le sage, je l'appelle DJ. Oui, c'est vrai que t'as. Des fois, j'appelle Réglisse d'autres personnes. Ah oui, carrément. C'est vrai que j'ai remarqué que t'avais du mal à retenir les pseudos. Non, je me plante dans les pseudos en fait. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Je les retiens, je vois, je retiens, mais c'est ensuite, quand je le dis oralement, je me plante. C'est un problème que j'ai. C'est un problème héréditaire. Ah, ça vient de la famille. Hein. Oui. Mais ils disaient déjà des pseudos, il y avait déjà l'informatique. Je ne dirai pas de détails. Plus de détails, je vous laisse imaginer. Pour papa Nayone. Papa Probos, on sait plus. Bon, là, en fait, on peut observer la Probos et Père Nayone. En fait, ça marche bien. Là j'ai pris des remorques très longues. Hein. Le plus long possible. Quoique, est-ce que j'ai pris vraiment très long les remorques? Il me semble que oui. J'ai pas pris court. J'ai vraiment voulu faire dans l'excès. Voilà. Donc là, ça suit comme un train, quoi. Comme s'il y avait des rails sous les pneus. L'autre, il m'a foutu les jetons, la bagnole verte. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, en fait, il m'a grillé la priorité. Oh, purée. Ou alors, j'ai pas compris la signalisation américaine, mais j'ai tellement serré que je me suis bloqué contre le poteau. Bah, je t'attends. Ah, t'es juste derrière? Oui, non, mais je vais te rattraper, mais, parce que je suis au précédent carrefour, mais... Non, mais là, j'ai pas compris. Vous êtes témoin, hein. Le mec en bagnole blanche, j'ai pas compris. C'est bon, j'arrive, t'inquiète pas, le feu... Tu avances un petit peu, je t'attends sur la bande... Non, tu m'attends pas du tout, fonce, je te vois, je t'ai vu. Avec quelqu'un qui me causasse. C'est moi. Ah d'accord. J'ai juste envoyé, j'ai balles, le lien pour le téléphone. Oui, mais je l'ai déjà téléchargé, je l'ai mis sur le disque dur, j'ai toujours pas joué avec. Ah d'accord, autant pour moi. Mais quand je regardais, hein, parce que j'ai pas fait le gameplay, pour moi, la gameplay c'était visuel. Je comparais de façon expérience Gameplay plus
expérience de jeu côté plus expérience visuelle, donc c'est évidemment quand je vais jouer ça va pas être la même chose, hein. Ça va pas être la même paire de manches. Ah, je passe à la voie gauche. Attends, avec sa Dodge Viper, lui va se pousser. Ah non, sa Ford Mustang. Alors, Hello qui nous dit des pseudos de CB. Alors, Dédé, c'est pour essayer la TX. Roule, Dédé, il n'y a pas de bleu sur la route. Ah, c'est à gauche le. Oh merde. Ah, tu passes devant. Bon, je t'ai montré le chemin. Oui, merci. Mais du coup, t'as un PV. Non, j'ai. Parce que moi, j'ai le feu rouge. Ah, tu peux quand même tricher, c'est génial. Ah, j'ai pas vu, mais je me suis pas vu avoir un PV. Donc, faut que j'attende un peu. Parce que le jeu est rouge pour moi. Le jeu le passionnant. Tu attends, le jeu le plus passionnant du monde, t'attends au feu rouge. Aïe, 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 j'ai des problèmes avec la manette. Attends, quelle sortie? J'ai pas compris. Ah, la sortie. Attends, j'arrive. D'accord. Tu t'arrêtes sur l'autoroute, c'est pas trop grave, je peux te rattraper. Je roule pas vite. Oh, Las Vegas, il y a toujours des échangeurs de fous pour lire le GPS, c'est un cauchemar. Ouais. J'ai changé de mode et ça me réussit plutôt pas trop mal. Le mode graphique? Non. Enfin, je sais pas ce que t'appelles mode graphique. Représentation du GPS. Là, j'ai la vue non rotative vue du dessus. Alors, t'as pris une sortie, je sais pas c'est laquelle, parce que moi ça me dit d'aller tout droit. Bah, moi je suis mon GPS, excuse-moi. Alors attends, où est-ce que t'es allé? Attends. Ah merde, je peux pas accéder. Donc, alors, je vais m'arrêter. Merde, il me donnera pas l'accès au chemin de mec. Ok, t'es allé. Deuxième sortie à droite. De là, je mets les warnings sur la bande d'arrêt d'urgence et je regarde mon GPS le temps que tu me rattrapes. Oh, rattrape. C'est beau! Les décors sur les côtés, j'ai bien fait de m'arrêter, j'aime bien. Les petites peintures sur les murs anti-bruit, là, c'est pas mal. Sais-tu que justement, il y a des effets panorama, il y a un moment, il y a des petites caméras vertes, tu t'arrêtes dessus et puis t'as une cinématique. Ah, je savais pas. Tu des points de vue, en fait. D'accord. Oui, je te rattrape. Oui, mais c'est bien parce que je suis sur la bande d'arrêt d'urgence. Il te demande de faire demi-tour ou pas, toi? Non, mais moi j'ai mon itinéraire à suivre. C'est et très t'as bien. Combien de miles? T'as combien de miles? Moi j'en ai 265. Moi j'en ai 480. Oh, on n'a pas pris le même job. Ah, tu termines du menu? Moi j'ai pris les pneus. J'ai pris les pneus aussi. Bon. Une question pour le sache dans Marvel en stream. Oui. Si t'as un record local qui te plaît pas ou qui a été fait par une personne, t'apprécies pas, est-ce que tu peux l'effacer et on recommence une compète et on peut. Pas que je chasse, non, puisque le record est inscrit dans les serveurs de jeu, pas ton ordi. Ah, dommage. Oui, toi tu voulais soustraire le point, je me trompe. Ah oui, oui, oui. Je suis vraiment dans la merde. Il y en a un qui m'a fait une attaque bélier, j'ai pas compris. Quelle est ta destination, le sage? Ah, oh, pas mal de zoom de là. Moi, c'est un Tonopah que je dois aller. Alors, attends, il faut que je m'arrête, warning. Ma destination, merde, il me l'avait dit, je suis un abruti. On va y arriver. En appuyant sur F7, oui, non, attends. Sur F10. À Tuscon, il faut que j'aille à Tuscon. Et ben, c'est pas que là que j'aille, moi, il faut que j'aille à Topana. Bon ben on s'est planté, c'est pas grave. Oui, vas-y. Ouais, ok, bah je tant pis, je vais continuer sur la route. Hein? Tant pis. Et j'ai une digestion, le sage. Oui. Mais ça pourrait te faire un peu plus de travail. Hein. Ça serait bien que, tu vois, quand il y a les records locaux, quand un record est battu, l'ancien déteneur du record, tu vois, tu marques qu'il a détenu de temps à temps. Et du coup, nouveau record détenu par machin, tu vois. Alors, ton envie, je ne vais pas pouvoir l'exaucer. Pourquoi? Parce que tu devines que sur le long terme, ça va devenir illisible. Ouais, c'est vrai. Ça, tu reviens dans 10 ans, j'ai un annuaire. Ça va devenir illisible, je suis désolé. C'est vrai. Ouais, je vais au nord-ouest, et toi, tu vas
Disco, c'est. Même pas qu'en ce moment il y avait les events. Je crois que c'était au mois d'octobre, moi, les events. Cher Tusco. Oui, bah, il paraît que c'est un. Ils avaient commencé sur les chapeaux de roue avec le premier million de donations atteint en 4 heures. Et il paraît que ça s'est complètement ramassé les heures suivantes. Ça a pas du tout le même succès que les éditions précédentes, les events. Ah, les events, ok. Ouais. Moi, je me pose une question à ce sujet. Et ce serait craignos. Ça voudrait dire que peut-être que les gens sont tellement braqués par rapport à la crise économique et l'inflation qu'ils sont plus prêts à donner. Ouais. C'est compréhensible. Il y a eu aussi le scandale qu'il y a eu à l'association qui voulait prendre celle de Yann Arthus Bertrand qui ne respecte pas tout sur un point de vue écologique. Donc comme ils ont voulu rester sur le thème de l'écologie, peut-être que pas mal de personnes se disent et s'ils faisaient un peu tout comme les associations de Yann Arthus Bertrand, mais qu'on le sait pas, tu vois, il y a peut-être une méfiance. Ouais, c'est acheter un froid. Ouais. Ah. Ah, j'ai pas tort quand même. Effectivement, le The Event, il avait plutôt lieu en octobre sur les deux ici, voire novembre. Et là, c'est septembre. On verra. Il y a un moment où ils peuvent pas battre les records. Hein. C'est comme le Téléthon. Il y a un moment. Ah, Bastos. Mais avec. Alors, 3,15 millions pour l'instant. Après, il ne faut pas oublier que le précédent record, c'était 10 millions. Une somme colossale. Ce n'est pas un flop 3,5. Ça reste énorme sans les looks, sans les lockers, poésie, etc. Enfin, je ne sais pas qui c'est le locker. Apparemment, c'est une star. Oui, je pense que vous voulez dire un peu plus gens connus. C'est vrai qu'il a manqué pas mal. Je sais qu'il n'y a pas JDG. Il ne pouvait pas venir pour raison personnelle. J'hésite à un truc, le sage. Ouais. Je serais pas vu une bonne chose que. Bon, on va attendre que t'es. Je vais finir ma livraison et je te rejoindrai en. Ouais, je sais pas quelle solution je prendrais parce que je peux finir ma livraison, mais du coup on n'est pas côte à côte. Oui. Et je peux abandonner mon travail pour te rejoindre. Tu fais comme tu le veux. Moi je suis content qu'on papote ensemble. Et puis il y a un beau spectacle à l'image pour mes spectateurs. Juste ouais, que. J'en profite pour remercier Bastos, entre autres, qui prennent le temps de rédiger des informations intéressantes dans le chat. Merci à vous. Comment je vais faire pour trouver une solution à ce problème Je regardais un truc. Je vais faire. Ah, arrête pas le camion. DG, il a quand même passé en distanciel. Ok. Oui, bah c'est pas ce qu'il devrait faire d'ailleurs. Tout faire en distanciel. Enfin, ça ne tient qu'à moi. Mais c'est pas le même trajet qu'en Afrique. Ok, alors. Ouais, mais ça lèverait quelque chose, je pense. C'est mieux qu'ils soient tous ensemble pour l'ambiance de groupe, machin. On s'est plaint pendant le Covid justement que le virtuel c'est pas si top que ça, alors ça casserait quelque chose dans l'ambiance, je pense. Je vais te rattraper, le sage. J'ai choisi de faire demi-tour. Et puis rien que la fin, tu sais, pour le dernier jour, quand ils sont tous là avec le champagne, c'est sûrement aujourd'hui, machin, ça fait toujours plaisir de les voir contents. Quoi. Ouais, bah. Ils feraient tous de leur côté, bon. Après, c'est sûr que ceux qui ne vivent pas à Montpellier, ça peut ne pas les arranger. Je crois que c'est à Montpellier si je dis pas de conneries. Pour une fois que c'est pas à Paris en plus, c'est chouette. Ah, hello Guillaume. Moi, je pense que les gens ont de moins en moins de thunes. Tout en fait, les courses, c'est plus 5%. Oh, tu as même pas, tu as marqué 5%, tu n'as même pas mis le pourcentage. Ça fait bizarre de voir ça. L'essence, les factures, tout augmente et ça craint. Ensuite, Bastos rajoute. Zéator avait justement répondu par rapport au distanciel que justement, en plus d'être un événement caricatif, c'est aussi l'occasion de réunir des potes. Ah. Pour une fois que je suis en train de dépendre plus 15%, je voulais dire merde. Yep.
Bonjour Christella. Mais oui, on fait du camion, on se détend. Comment ça va? Bonsoir Christella. Bonsoir Christella. On joue à American Truck Simulator et on a fait une petite erreur d'appréciation au niveau de la livraison. Et on va rattraper le public. Comment vas-tu Christella? Oula, j'ai du mal à garder ma trajectoire. Alors Bastos qui nous dit, l'année dernière Samuel Etienne, cette année Alain Chabat en invité. Je trouve ça perso très cool. Oui, tant qu'ils invitent pas Antoine Beaupont, ça va. Mais ça montre que Alain Chabat, qui est à peu près de la même génération qu'Antoine Decon, est moins fermé d'esprit sur les geeks, c'est mieux. Et Christella qui dit bonsoir Nayoné. Non, bonjour, pardon. Chaud aujourd'hui et demain c'est crevant. Mmh. Et elle dit aussi Bastos. C'est bien, moi je suis là pour vous lire le chat. C'est pas merci fini. D'avoir lu le chat. Oui, merci Fanfan. Bah oui, c'est pas passé, tu m'étonnes. Ouais, c'est vrai, c'est beau. J'arrive, le sage, je roule à pleine balle. Avec mon trois remorques vides. J'ai annulé mon job. Je suis un truc très culotté. Attends, faut pas que j'avance plus parce que sinon je vais accrocher le voisin. C'est très culotté ce que je fais. Je suis en train de bloquer le carrefour en fait. Oui, bisous tout plat, Christella. Ouais, c'est cool. Enfin, c'est cool que tu sois là. Pas le fait que ce soit chaud. Le fait de crever, c'est pas cool. Il fait chaud à dans la région de. Dans l'Aquitaine. Oh, puis crotte. Tant pis si j'ai l'amende. Ouais, le sud-ouest. Le sud-ouest, ouais. J'arrive. Voilà, j'ai rejoint l'endroit où t'étais, où on s'est séparé. Mmh. Bien joué. Je vais à fond la caisse. Bah moi, je vais devoir faire une pause dodo. Alors c'est bien, ça va faire gagner du temps. Ouais. Alors c'est con, je vais prendre la prochaine sortie parce qu'il faut que je trouve un lit rapidement. J'avais une meilleure sensibilité de manette avant, là c'est la galère, si je fais un mauvais à coup, je bascule là, tout le bordel, on le voit là. Alors, j'ai pas un écran de contrôle pour voir, mais le sage, il te reste combien de miles? 350. D'accord, il me reste 436. Mmh. Comme je roule vite, la remorque est vide et elle chasse. Ouais. Oula, ça monte. Oh merde, je suis resté plein phare, pardon. Je suis en train d'aveugler tout le monde. T'aveugles les mobs. Bah oui, j'avais oublié. Bob l'éponge. Yep. Les mobs. Ah, les mobs. Pardon. Aujourd'hui, j'ai du mal. Je sais pas. Moi qui prononce mal, toi qui entends mal, bah ça fait un téléphone comme le jeu de gamin là. Ah ouais, mais c'est comme tout à l'heure, t'as dit manette et j'ai compris mal, je sais pas. J'ai compris, Attends, je sais plus ce que t'as compris. Là, Bob, j'entends Bob. Mallette. Oui, mallette. Ah, il a retenu le sage. Bah oui, pour peu qu'il ait compris mal net. Faut que je me nettoie bien les oreilles, je crois. Hein. Ou malhonnête. Aussi. Malhonnête. Mais je cite à l'homme avec les voitures, mais... avec lequel il y a trois remorques sur l'autoroute, c'est honteux. Allez, oui, le chat. Yes! Je prends le coffee. Et qui se oh, il est beau le tableau de bord. En bas. Il reste 400 miles. Là-bas, pas en grand. Ça, je te verrai arriver de loin. Mm-hmm. Il m'en faut que je sorte de mon dodo, là. Je sorte de mon dodo à sortir de son lit dans le lit moelleux, la couette chaude et le réveiller doux. Yip. Ça fait tellement son que je sais même pas si je bousille la... Ah non, merde, faut que je tourne là. Voilà, attends, il y a du peuple ou il y a pas de peuple? Merde, il y a du peuple. Le peuple,
peuple. People. Oh mon dieu. Allez, je m'annonce. Ouais, je peux m'annoncer. Là, vous êtes... Ouais, c'est cool, je peux. Vous êtes perdu, pauvre fou. C'est ça, la vérité. Je caresse le chat en même temps que je touche la manette. Oula. On va savoir s'il y a autre chose qui est touché. Bah le, la tête du chat, enfin. Ah. Bah, le joystick. Le joystick de la manette. C'est mais il mord la mode joystick, il genre le joystick sous le stick. Oh mon dieu. Joystick. Non, j'ai pas envie d'être pesé, j'ai pas envie d'être pesé. Ah, oh, je suis obligé d'être pesé, je m'en fiche. Je paye 700 balles d'amende. Ça y est, ça sert à quoi d'être pesé? C'est à dire je suis gros ou je suis maigre. C'est la législation américaine en fait. Je crois pas qu'il y ait ça du côté européen. Dans le camion américain, le camion, pas dans tous les pays en fait. Je crois qu'en Espagne, en Turquie, oh, je sais plus quelle date du pays, mais quand tu vas à Istanbul ou quand tu vas en Espagne, hop, ils te font peser. Ah ouais, Turquie, Espagne, ok. Je suis pas sûr, hein. Je dis ça, mais c'est, je crois, je sais plus, mais il m'a semblé en avoir un droit de peser. Et de mémoire, à l'inverse, aux États-Unis, t'as souvenir qu'il y a un État qui demande pas de peser? Alors ça, j'ai pas fait gaffe. Ça, la non-possibilité, j'ai pas fait attention. Oui, mais je suis désolé de réinsister, mais... alors, Bastos, que vous me rappelons que la définition littérale de joystick, c'est bâton de joie. Ouais. C'est vrai. Je disais, à quoi ça sert d'être pesé C'est un contrôle, c'est obligé de faire un contrôle, et si tu le fais pas, tu payes 700 dollars d'amende. C'est tout. Ils contrôlent ton camion, l'état de ton camion, ton chargement, et ils disent c'est bon, tu peux y aller, c'est juste pour le principe, quoi. Que ça passe plus simulateur. Ah, mais je veux dire, est-ce que c'est par rapport à des trafics ou je sais pas, tu dis que toi, tu as fait. Si par exemple, est-ce que tu déclares, tu dis j'ai 500 kilos, non, à 700, t'as une amende ou un dernier? Non, pas du tout. Pas du tout, il y a pas. C'est juste, c'est un simulateur de route bête et simple. De camion, s'il faut. Donc là, il y a plein de camions, plein de remorques, de la conduite et de la gestion de virtuelle de chauffeur. Il y a rien d'autre. Et puis là-dessus. Et puis c'est du plaisir à conduire, quoi. C'est principalement du plaisir de conduire. Donc s'il commence à, s'il commence à faire un jeu de rôle dans le jeu de camion, il pourrait faire ça, mais ça changerait la nature du jeu. C'est vrai. Hey, je te rattrape. Je te vois. Yeah. Je pense pas que tu es le seul qui savait pas. Oui, voilà, c'est bien de poser la question. Mais... C'est un simulateur. Oui. Moi, je suis un modérateur bête. Bah, pour savoir, il faut bien poser des questions bêtes. Au bout d'un coup. Et rattraper le sage. Non, le chat, il est en train de bouger la caméra. Il va te faire vomir. Il s'appuie sur la souris. Et la souris, ça bouge la caméra. C'est du chabotage. Du chabotage. Alors, t'es arrivé sur une route, le sage, si je me trompe pas. Ouais, deux fois de voir. Déjà? Ouais. Ah oui, donc c'est loin. Bah, je pousse la souris, comme ça, le chat ne fera plus potentiellement de le motion sickness. Ah bah peut-être que ton chat va être conquis, hein. Attends, je lui passe la manette. Vas-y, conduis, Régis. Il comprend pas. Ça y est, il va mettre une casquette et après, il va demander des souris dans le restaurant. Des rats de Dragon Sky de préférence. Il nous en débarrasse une bonne fois pour tous. Je rattrape DJ Psycho juste en face, non il y aurait le long juste au-dessus. C'est un mob qui est juste devant. Ah, je peux contrôler mon véhicule. Contrôler ton véhicule? Ça tangue. Ah, ok, je croyais que tu devais peser ton véhicule. Ça tangue avec le vent? Et je vois presque ton camion.
Non mais la voiture, pousse-toi, pousse-toi. Ah, j'ai mon joystick droit. Ma gâchette droite. La gâchette basse droite qui coince de temps en temps. Ouh, tu vois sur le GPS. Il me reste 272 miles. 253. On se fait à leur côté devant, c'est un maléfice. C'est un maléfice qui s'est produit. T'as plus de kilomètres que moi alors que je suis derrière toi. Et je te suis. Ah non, c'est parce que j'ai pas de travail, j'ai mis une direction GPS pour te rattraper, donc non, c'est normal. Hop, une petite amende par les policiers, 5000 euros au moins. Ah, ils m'ont pas mis d'amende. Oh, ils sont cool ici. J'ai du mal à te rattraper, hein. Avec les 36 remorques, là. Bon, là, c'est vrai que je suis en excès de vitesse, je suis à 75 miles. Ah bah voilà, moi je suis à 89. Non. Voilà, il se pousse vite, c'est très bien. 90 miles par heure. Je suis content de ma vitesse, de mon excès de vitesse. Sortir de son contexte. Précisément des voix, attention. Oh, le hop, fou. Je te passe derrière. Oh. Mais il est fou ce garçon. Voilà, maintenant je bloque la route. Non ! Merde ! Mais non, mais... Oh ! Je viens d'emboutir ma cabine, Nunuche ! Ah, bravo ! Les accessoires, ils ont tous... ils sont... Ouais, ils ont tous giclé, voilà. Malin, ça. Saboteur. Ils ont cassé mon camion. Ouais. Ouais, t'as cassé un pouce en mon camion, ouais. Je te félicite pas. Quand je vous dis qu'il est fou, ce garçon. Faut pas le laisser au volant. Pour rester maître de son véhicule. Bah, j'avais promis pour la promenade que j'allais faire ça. Ouais. Aïe. Je vais juste répondre à Christella. Oui. Je voulais le faire par écrit, mais ça me prendrait trop de temps pour répondre à sa question. Enfin, en fait, déjà, je peux pas mettre les catcheurs modernes, déjà pour la simple et bonne raison que le dernier mode scénario, je crois, c'est le 14 qu'il a eu. Donc ce serait des catcheurs de l'année 2013. Et la deuxième raison qui fait que je ne peux pas le faire, puisque j'ai essayé d'en faire un dans le 13, moi qui sortais en 2012, c'est qu'il y a des contraintes techniques qu'ils ont rajoutées dans les autres versions qui fait que je peux pas le faire. Et pour revenir spécifiquement à l'opus où je le fais, Christella, le problème, et ça m'a assez énervé, c'est que les catcheurs créés que je fais, je ne peux les utiliser que 10 fois. C'est-à-dire par personne, par scène, par match. Donc ça fait que si je commence à prendre des catcheurs modernes, je vais me mettre que 10 fois, ce qui me paraît inutile. Donc je suis malheureusement contraint de faire avec les moyens techniques de l'époque. Donc c'est-à-dire ajouter une ou deux personnes, donc je rajouterai que le mien, qui sera très peu présent, qui n'avait pas d'ailleurs cette contrainte technique sur la PS2, ce qui me fout en run de la PS3. Voilà. J'espère avoir convenablement bien répondu à la question. Du coup, ça a vroom vroom pour vous. Mais ouais. Ça a vroom vroom, mais je fais des accidents à manipuler tous les... Ça fait tellement bien d'accidents que j'ai mon tableau de bord qui disjoncte et j'ai même plus ma jauge d'essence. Il devrait y avoir un système d'assurance dans le jeu de camion. Alors, moi j'ai fait une connerie, c'est à moi d'assumer. Ah là 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 là. Oui, en fait, il faut que tu répares ton camion. C'est ça, Bastos. File de gauche pour aller à droite. Ah, faut gérer l'amplitude de la remorque quand tu tournes. Ouais. Et est-ce que dans Minecraft, ils peuvent rajouter des camions? Ce serait cool. C'est ça, c'est voilà. Boum boum boum. Comme ça, vous faites les deux jeux en un, comme ça. Et puis, on ajoute aussi un FPS dedans, et puis aussi ouais, c'est un, ça. Un Age of Empires, et puis c'est bon. Non, par contre, merde. Minecraft Truck Simulator. C'est ça.
Je serais à l'aise avec le langage Java, ce qui, je vous laisse deviner, absolument pas le cas. Je me serais frotté à la programmation de mode, et le premier mode que j'aurais été tenté de faire, c'est un mini-golf. Dans Minecraft, franchement, le golf, ça doit être trop bien. Et tu sais, le sage, une fois, j'ai fait un drôle de lapsus pour te faire le relais, c'était pas cette fois, quand tu jouais à celui-là, j'ai dit American Turk Simulator. Effectivement. C'est le jeu. Tokyo au feu. Ouais. Tu es un Américain, mais d'origine turque, et tu dois faire le rêve américain là-bas. Le but du jeu, c'est d'être plus riche que Donald Trump, et ensuite de l'envoyer en prison. Ça, c'est un bon jeu. Sacré projet de vie. Je vais le proposer à la Fox. Et là, normalement, le sage arrive. Bah oui, fermeture. Ah oui, Christella, le fameux turc. Ah, j'en profite pour boire. J'avais oublié Christella, ça. Ça devait être un peu après, je sais pas. C'était un sirage. Oh, oui, le sage. Et Monsieur Poupon, mais je me souviens plus de l'histoire du turc. Ah, il boit un café, ok, en vrai. Bah, le café, il est là dans la cabine et la flotte, elle est derrière. Je montre. Ah merde, ils ont démarré. Attendez-moi! Je peste. Ah, des lumières. Je peste d'avoir un tableau de bord défectueux maintenant. C'est de ma faute, c'est de ma faute. C'est un tu cries au scandale. Tu peux me report, hein. De apprendre à faire le con, quoi. Enfin, dans la bonne humeur, dans la blague, dans la bonne humeur. Mais fais l'œuf et la poule quand même, hein. Moi, je suis pour que tu le reportes. Comme ça, il peut plus jouer au jeu. Il va passer plus de temps avec moi sur Empire 2. Ah le. Oh, ça va revenir si on... vos sessions. Si on pleut, si je peux placer mon opportunisme quelque part, je le fais. Hein. Non mais ça reviendra d'autant plus Age of Empires entre vous deux parce que théoriquement, je dirais théoriquement que je sache dans les mois à venir, je serai de moins en moins dispo donc. J'ai envie de dire à terme, normalement, je devrais juste diffuser le samedi dimanche de manière exclusive. Et encore, en espérant que je puisse, on verra, je vous tiendrai informé. Et je ne verrai plus que certains directs le soir quand ma journée se termine. Voilà, voilà. Enfin, on verra ce que l'avenir nous réserve. Bon, mais j'avoue que honnêtement, je suis dans une période où j'ai pas spécialement envie de rejouer aux Empires pour l'instant. Il y a des périodes où t'as plus envie que d'autres. Bien sûr. Peut-être qu'il faudra même qu'on se remette à Empire 3, vu qu'on a passé un peu notre temps sur Empire 2. Peut-être pas tout ça. Ah merde. Je me fais peut-être sur Empire 5, oui. Oh. Laisse le 4 déjà le temps de sortir, bien qu'il soit bien abouti après le 5. Je freine pas brusquement, j'ai compris. J'ai compris. Si tu me refais deux fois le même coup, tu m'achèves. Viré. Je laisse passer devant. Comme ça sera moi qui serai en tort. Le sage, il conduit sans les phares. Peur de rien. Si, j'ai les. Peur les de rien. Feux de croisement. Mais comme ils sont trop proches de moi, je peux pas mettre les feux de route, sinon je vais les éblouir. Tu peux éclairer, vas-y éclaire avec le plein phare, c'est tellement pratique. Ah merci, je vois mon tableau. Ah ben, puisqu'il y a Christella, j'en profite pour lui dire puisque ça l'a intéressé, même si chaque fois je pourrais lui redonner un lien, c'est pas un problème. Avec l'ami Aeroster, nous avons décidé de changer l'horaire de Resident Evil 5. En plus je lui fais de la pub. Ce sera toujours à 14h mais le mardi, pas le jeudi. Parce que ça m'arrangeait en fait pour moi, puisque le vendredi soir, je dois faire des streams de catch avec Bastos et AJ. Du coup, comme ça, je peux me faire une journée off. Et même, on continuera l'esprit Resident Evil, puisqu'après que j'ai terminé avec Aerostar, on retombera plus ou moins dans les sources, cette fois, sur la version PS1 avec Arnaud. Ce sera une autre ambiance, un autre jeu. Moi, je vais passer deux Resident Evil à la chaîne. Mmh. Ça me fait faire gameplay PS1, gameplay PS3. Mais bon, ça me va aller.
Ah, je suis le rouge, je prends un café. Ah, d'ailleurs, si Twinsen est là, il faudra qu'on s'organise, Twinsen, pour préparer tes scènes, pour pas que t'aies ton 16-2e écrasé, là, parce que sinon, on va me faire un scandale. Un 4 tir élargi. Un 4 tir étiré. J'ai l'impression, je l'enverrai à Twinsen, j'ai pas l'impression que le 16-2e soit écrasé. Alors, si pour lui ça lui convient, on laisse tel quel, hein, moi, ça me va. Je vais sortir comme le DJ Psycho fait. Mmh. Je vais passer par la petite bande d'arrêt d'urgence. Ah non, elle est trop étroite. Oh non, il va me boucher tout le passage. Hop là. Ah, c'est toi, t'es là. Ok, bah, je vais tourner en même temps que toi. Je bloque la route comme ça, ils pourront pas passer. Mmh. Feu rouge, mais non, pas feu rouge, mais n'importe quoi. Je suis en train de me ruiner en amende. Là, j'ai perdu 12 000 euros parce que j'ai oublié de préciser au sage qu'il fallait prendre la même livraison. J'ai pas précisé plus précisément, du coup, bah, tac. Et ensuite, je fais un accident au sage. Oh là là, c'est pas une bonne session de jeu là. C'est la cata financièrement. Tu vas peut-être te rattraper après le tableau mystère. Tu aurais pu le dire en privé dans le groupe Bastos. Normalement, c'est en privé, ça, ce truc, pas du tout. Il a dit un gros mot ? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est juste qu'il me parle de changer le jour. Là, c'est plutôt un truc qu'on discute en privé. Est-ce que je vais sortir le sage, je vais juste me reposer sur l'air de tour. D'accord. Il y a un emploi du temps qui correspond à Bastos, c'est aidé, ça devient compliqué. Même à moi. Ah déjà, Worms, on a réussi à faire Gauté à la place de Worms. Après, on était 6 à. Il y a 2 joueurs de plus à ce jeu-là. Oh, wow. Worms, je sais même pas si on va y arriver parce que. Il y a toujours un truc qui bloque là-dessus. On aurait déjà réussi à tout préparer. Moi, j'ai préparé ce qu'il fallait, pare-feu, tout ça. Je l'ai installé. Sauvegarde. Alors, je me répète, Neynonette. Quand tu reprendras la route, c'est direction Tucson. Ouais. Tucson, t'inquiète. C'est plutôt Tucson, pardon, j'ai interverti les lettres. J'aurais dit pareil que toi, Tucson. Moi aussi, je me trompe. Quelque chose. Non, pas écraser le sage. La voiture, pardon. le lapsus. Ah, il y a mon propre garage. Oh, il y avait de l'essence à mon propre garage, j'ai payé plus cher. Oh, mais c'est la louche aujourd'hui. Ah, soupir. Oh, ce tunnel. Oh, oui, c'est psychédélique ce tunnel. Franchement, à quoi ça sert que tu fasses des groupes privés si chaque fois ça les lit pas ou ça te les répond pas. C'est désespérant. Bref. On va me mettre en vue extérieure parce que je suis un petit joueur. Tac, on va rentrer dans le petit garage. Ah, donc on... et au poker, pareil. Non. Toujours à l'affût, fun fan. Bien sûr. Là, je vais mal passer. Tac. Bah, ça sera mieux. Trop bien, la musique. Ouais, la musique de retard, c'est ça ? Bah, ce que je diffuse, moi. Ah ! D'accord. Non, je veux pas gérer le garage, je veux faire un dodo. Un dodo, doudou, didon. Ah, bientôt plus que 100 miles. On y croit. Je crois que finalement je vais. Ouais, je vais planter encore. Et oui, il y en a un qui veut me dépasser. Fais la poule. Je
dois remballer mes feux de route. Ah, ça m'a stoppé net. Dysfonctionnement du moteur de mes deux là. Encore du bol de pas m'être fait emboutir. Où est-ce que je fais le dodo? Qu'est-ce que cette blague? Bon, je vous recommence. On va se terminer. Je vais détacher la remorque. Pareil, comme je disais, faut détacher la remorque. Oh purée, c'est pas facile. Hein. Et alors, ça marchait comme si les roulettes. Ah! Petite manœuvre, mais c'est pas évident. Ah, je vais réussir. Allez, c'est parti. Bon, je reprendrai un voyage rapide. Je te laisserai choisir le prochain job, le sage. Oggy. Ah. En tout cas, j'ai hâte de jouer à une session avec plus de joueurs encore pour plus d'aventures. J'ai eu un écart malheureux là. Je viens de me faire peur. Bon, tant pis. Ah, c'était une ancienne marque de synthétiseur. Bon, tant pis. Marque de synthétiseur. Ah, dans le chat. Okay. Ah, je sais pas ce que j'ai foutu pour dérégler ma manette. J'étais beaucoup plus à l'aise avant. Là, j'ai l'impression de m'être mis à un niveau de difficulté supplémentaire. Je reverrai à l'occasion. Ah, elle est bien cette musique. Ok, je vais faire un petit truc rapide. Te rejoindre à ton endroit. Rejoins-moi à mon endroit. Oh furesse, ne pas sortir de son côté. Ça n'arrête pas les sous-entendus. Ah, mais la langue française est merveilleuse à ce niveau. Alors que je roule comme un sagouin et que je vais me faire une voiture bélier dans la poire. Là. Alors, Jimmy est arrivé à destination. Garage manager. J'ai ma note de frais qui va douiller en réparation. Ça va être la violence. Oh, je peux pas. Oh non. Bon, bah, je suis coincé en Arizona. Oh. Je peux pas faire de voyage rapide. Ah, je peux pas, c'est vrai, parce que j'ai la remorque, des trois remorques, c'est pour ça qu'ils me permettent pas. Alors, je peux aller en Oregon, en Idaho, au Nevada, en Utah, et c'est tout. Et puis peut-être au Colorado aussi. Mais Wyoming, Washington, Californie et New Mexico, chocolat à la remorque. Je vais prendre une remorque normale, c'est juste pour le fun. Okay. C'est bien, l'Utah. Ah, t'es allé? Non, mais... Beau, ça me semble bien. Bonsoir. Oh, Nachevman, bonsoir. Bonjour, Nachevman. Comment que ça va? J'ai encore une panne de moteur. Je suis arrivé à destination avec toi. Enfin, j'ai pris un voyage rapide et je me suis débarrassé de ma remorque. Crois qu'on part. Ouais, c'est bien. La prochaine route, on va la faire ensemble. Si tu peux me rejoindre, il y a un circuit marrant. Oh. À Tucson? À Tucson, ouais. Si tu vois sur la map, il y a un circuit. Non, c'est pas à part pour moi. Et tu vois pas du tout sur la map? Non. Dans la map générale. Attends, là je suis en conduite, excuse-moi, il faudra que je trouve la bonne sortie. Termine donc la conduite. Non, sinon il faut que j'aille là.
J'adore cette musique. Malheureusement, j'ai pas le retour de. Oui, ça va bien, de chacun. Bah oui, nous allons bien. Oh la vache, tu roules vite le sage. Mais pas donc ça, je suis pas en excès de vitesse. Peut-être on ah, je peux réparer mon camion maintenant. Alors ah, je suis gris le stop. Non. Est-ce que tu voudras rejoindre dans le circuit que, dont je parlais? Oui, mais une fois réparé, que j'aurai fini ma mission. Attends. Oui, oh, la flotte arrive. Oh merde! Ah, je me suis trompé de touche. Ah oui, la flotte arrive. J'ai paniqué, excusez-moi. Ouais, wow, on va dans l'ambiance. Ça va un peu mieux, bah, c'est bien Nash. Nash, est-ce que tu as le jeu ATS ou ETS2? C'est probable que, enfin, c'est hautement probable qu'elle nous rejoigne. Et du coup, on pourrait faire une session à 4, si ça vous intéresse. C'est énorme. Si le multijoueur vous intéresse. Comment tu as mis le mot session? Session, ouais. Il y a d'autres choses à 4. Comme jouer au Monopoly. Jouer tu me rassures. Ah ben oui, c'est mieux. Mais un jour, elle viendra dans Minecraft, ta place Monopoly, fun fan. C'est faisable, sans déconner. Ah, c'est là-bas qu'il y a une icône de réparation. J'ai une bloquée la vie. Te répond, il te dit j'ai ETS pour ma part. Le premier ou le 2 Le 2, c'est le 2, j'ai vu qu'il y avait le 2 sur Steam. Et surtout, le oui, c'est ETS 2, l'équivalent de ATS. Et ah oui, il y a des promos sur Nashman, il y a des promos sur le sur, en ce moment sur ETS et les DLC et puis ATS, les DLC pareil et puis le base. Mais bah attention, les promos n'auront plus lieu demain à 18h. Oui, voilà, 18h il y a un promo, mais ça revient régulièrement tous les mois. Je sais pas pourquoi moi sur ton camion la marque je vois Barilla. Ah oui. Regardez le stream du sage. Regarde faire ses manœuvres. Yep. J'actualise un peu en mettant pause lecture. Ouais, t'es encore sur Marble on Stream. Là, je demande si c'est sur Steam les promos. Oui, c'est sur Steam. C'est allergique de dire ça. Toujours pas demandé, j'attends qu'il y ait vraiment du monde sur ton stream pour te dire, pour te porter à dire que tu viens de Steam. j'ai des moyens de payer en plus. t'as mis des sous, alors moi j'ai envie de cliquer, mais s'il n'y a qu'une personne, c'est au moins qu'on soit 10. Ah oui, il y a la sortie, aïe. Ah ouais. Pourquoi je suis un peu laissé. Là tu m'as fouetté Nash, là, de me faire lire ça, c'est un coup de fouet. Alors, le sage, il va faire dodo. Ah bah il fallait pas me le dire, Nayone, maintenant je vais augmenter les prix. Ouais, c'est comme tu veux, bah, si je le fais pas, c'est pas grave, hein. C'est juste. Non, mais bon. Je t'inquiète pas, quand je dirai du bien de Steam, il y aura un clip fait pour l'immortalité. Il sera fait direct. Mais comptez pas sur moi pour le faire, hein. Il y a Bastos qui te demande, Nayone, si t'as 1 million de points. Un million de points dans quoi? De chaîne chez moi. Mais j'ai baissé un peu les prix. Non, il a baissé le prix, j'ai 150 000 points. Ça coûte 111 000. Ouais, enfin, le sage. Vas-y. Le sage qui est. Ah, il a pas fini le réseau, ok. Eh non, j'ai pas fini la mission. Et merde, je vais manger le décor. Voilà. Tu vas manger le décor, je vais voir ça ou ça. Non, c'est bon, j'ai chaud, mais c'est pas passé loin, à mon avis, à 1 cm. Ah oui. Le décalage est de. Je sais pas les secondes. Je vais agrandir. Ah, il y a 8 secondes, c'est bien. 9 secondes de décalage. Ouais, il y a que 9 secondes de décalage. Entre Nancy et Nancy. Ah oui, beaucoup plus abordable. Je peux presque lui faire dire deux fois. C'est très bien, faut qu'on enchaîne tous nos points, qu'on les paye tous, qu'on soit 10 à payer les.
Non, mais après, c'est pour moi, c'est ne pas aimer Steam ou le aimer Steam. Mais attention, hein. C'est comme pour les subs, c'est en promotion jusqu'en septembre. En octobre, on remonte les prix, hein, je vous préviens. Ah oui, c'est les belles promotions. Il te manque aussi ATS, non? Il est bien ATS. Oh, le sage de décor. Wow. Oui, j'ai merdé mon virage, j'ai merde. Il a dit qu'il lui manque que Iberia. Oui, l'extension d'Iberia, ouais. Là, par contre, je veux bien essayer de m'initier à Minecraft, mais là, American Struck, tous les simulateurs, je pourrais pas, là. Là, non. Si tu peux insister, ce sera non. Je suis comme Bastos qui ne comprend pas l'intérêt de Marvel en stream. Moi, je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de juste rouler pour rouler, s'il n'y a pas de course derrière. Quoi. Mais c'est vrai qu'il a... Oui, vas-y. La pratique, ça n'a pas l'air pratique de conduire, même se voir jouer au jeu de camion, on sent qu'il y a pas, qu'il y a un problème au niveau des manettes, pas des réglages de sage. Il y a un camion. Je savais que j'allais regretter de forcer le stop. Par contre, c'est le genre de jeu que tu me mets avec un simulateur, avec une bande d'arcade, tout ça. Je pourrais y jouer dans un lieu comme ça. Mais je veux dire, avoir le jeu pour moi et jouer de manière régulière, pourrait pas. Mais juste faire une session comme ça, pourquoi pas, si c'est pour découvrir un peu l'Europe ou les États-Unis ou l'Asie ou n'importe quel pays. Là, ouais, c'est intéressant au continent. Il est que sur Steam. Ah oh, ben voilà, raison de plus que je ne peux pas parler. Il est même pas chez Microsoft Store. Oula, je sais pas, peut-être. Il y a peut-être des simulateurs parallèles, mais c'est pas vraiment la TS normale. Juste un coup d'œil. Je vais te dire ça, je vais faire les recherches. On va voir la version américaine. L'équipe devra s'ouvrir. Je retourne sur le stream du sage. Ah, la voie ferrée, il peut passer. Il y a Crash Truck Simulator, c'est quoi ça? Tu casses ton camion. Quand t'en auras le mal de conduire sérieusement, tu casses tout. Il y a Monster Truck Destruction aussi. Il y a Eurostock Simulator 2022. Ah non, c'est peut-être que c'est un mode parallèle. Il y a marqué jeu plus course et pilotage. Ah, c'est un jeu de course de camion. Ah, pourquoi pas. Ah, j'en ai un sur PlayStation, le jeu de course de camion. Je vous ferai un jeu. Il y a les farming, mais je crois pas qu'il y ait... Le nom de l'entreprise me tire... c'est bizarre comme nom d'entreprise. Le truc de... Tiens, simulateur 3D. Ah, oh, ça serait bien, ça. Voilà, le sage a garé son camion. Ouais, j'ai pas à voir si je suis dans le truc. Il y a même un simulateur d'avion de chasse. Ah oui, ça m'étonne moins. Ça existe depuis les années 90, ce simulateur d'avion de chasse. J'en ai connu deux. F-15 to Strike Force, je crois. Mon tout premier. Et le deuxième qui m'a été offert par mon papa. Une grande surprise, il m'avait acheté ça chez le marchand de journaux quand il rentrait du boulot. C'était l'Eurofighter. Excellent simulateur en Scandinavie. Et ça m'a laissé un... J'ai appris plein de trucs en plus. Sur la gestion des avions de chasse, c'est très intéressant. Mais ne mets pas de l'eau parce que sinon ça devient de chasse d'eau. Non. Alors, un simulateur de chiottes, ça existe. Oui. Ça a été fait par JDG et c'est... Il faut voir. Ah oui. C'était sur la vidéo des simulateurs prévoyants, avec la roue du destin et tout. C'est un des meilleurs sketchs qu'il ait fait, je trouve. Alors, le sage, tu peux voir à l'ouest de Tucson. Tu vois, il y a une route qui va vers rien du tout. Une voie qui sortit d'autoroute. Quand tu continues tout droit, hop, t'arrives dans le. Tu me vois sur la minimap normalement. Pas sur la map normale. Ah, d'accord, j'ai mis mon GPS, je te rejoins. Ok, je t'attends. Ah non, c'est pas dessiné. J'espère que c'est pas un. C'est fait exprès. Ah, d'accord. C'est fait exprès. D'accord. C'est des routes secrètes. Oh. Plus de fun. Bon, ben on va bousiller le camion, allez, soyons fous. On va sauvegarder avant de bousiller le camion. Oh, le chat est tombé. Oh, ben, je suis il a glissé. Et c'est bon, il est tombé sur ses pattes. Bah, tu m'en assures. D'ailleurs,
C'est normal qu'il glisse. Hein. Le temps que tu me rejoignes, je vais lui donner à manger parce qu'il a faim de pépère. Oui, t'as raison, vas-y. À tout de suite. Mais tu as raison, Felfan. Il nous l'a peut-être jamais avoué, mais il l'a peut-être baptisé avec un mot composé, réglisse. À part le mal. Ah ouais, la ré qui glisse, j'y avais pas pensé. C'est ça. On est méchants. On est vilains. Ouais. Moi, je suis juste modérateur. Je ne pense pas. C'est le sage, la tête pensante. Juste pour ce stream. Après, sur mes streams, je reviens le cerveau. Mais bon. D'ailleurs, je vais faire réparer mon camion. Et quand il va mieux, c'est Renette. Merdoum, j'ai rien compris à la disposition des lieux, moi. J'ai regardé, non, ils n'ont pas sur, sur le Microsoft Store. Ils ont d'autres variantes, comme dit, mais ils n'ont pas le jeu. En plus, c'est tout, c'est gratuit. Ah ouais. Ça devrait pas être génial si en plus c'est gratuit. Mais au moins, c'est... Comme on dit, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est-à-dire qu'on va faire une joie de faire main basse sur tes données personnelles pour les revendre dans ton dos. Ah, City Construction, c'est un jeu où tu prends une pelleteuse et tu es dans les chantiers. Alors moi, il faut que je guette mes boutiques de jeux d'occasion. Je veux trouver le jeu sur PlayStation, le jeu japonais de combat en duel avec les engins de chantier. Parce que l'idée de démonter un tractopelle avec une go de chantier, ça doit être sans sas quand même. Et Christella qui rajoute, si c'était une femelle, le chat, il aurait appelé Alice, ça glisse. Une référence à une chanson. Bah, une parodie refaite de... Elle est dans mes citations célèbres qui passent de temps en temps dans mon chat, là. Le regretté chanteur Carlos qui avait fait la vanne aux grosses têtes, c'est pour ça que je l'ai mise, moi, j'avais rigolé à l'époque. C'était Alice, ça glisse au pays des mers vieilles. Là aussi, humour gaulois. Alors, attends, il faut pas que je me perde. Il est où son circuit, Ménonette? Wow, c'est pas si proche que ça. Ben, je recommence avec mes écarts de fou, faut que j'arrête. J'arrive pas à maîtriser le camion là. En plus là, oui, la puce est calmée. Je suis en train de me dire le sage. Oui. En fait, les. Comment ça s'appelle? Les anciens, ils ont le Téléthon et les geeks ils ont le. Ils ont le Z11. Ouais, bah ben, oui. Oui, bah ben, c'était calqué sur la. Oui. Bastos qui rajoute à ne pas confondre avec Alice Sapritch. Eh oui, la grande Alice Sapritch, ouais. Ah oui, c'est vert, on a besoin de passer. Il m'a cassé dans mon élan, le Mickey. Oh, elle était turque avec des origines arméniennes. Ouh, je te dis pas les roues. Là, j'avais une ancienne camarade en cours de japonais il y a quelques années. En fait, elle faisait des réunions de famille. Comme elle avait différents membres de famille qui avaient souvent la double nationalité française et autre chose en Europe, je disais, mais c'est dingue, quand tu fais des réunions de famille, chez toi, c'est le Conseil de l'Europe. Elle dit oui. Mais culturellement, ça va être vachement enrichissant. Que chacun raconte ses anecdotes et ses particularités du pays. J'adore ça, moi, ce genre de tablé. Bah, pour vous avouer, moi, c'est là où la pandémie m'a tué, moi. D'un point de vue culturel, je suis deg. Attends. Ah non, il faut que je traverse le... D'accord, c'est une mise en bouche du truc en travaux. Ok. J'avais la chance, au niveau de certaines réunions au Japon, parfois, on avait des réunions spéciales avec des membres du CNRS, c'est-à-dire des japonologues professionnels. Alors, moi, mon grand regret, c'est que je suis arrivé trop tard au niveau de l'organisation. Je rêvais au début d'avoir un dîner avec Jean-Claude Sabouret,
qui est aujourd'hui à la retraite et qui était un japonologue dont j'ai acheté des bouquins que j'adore. J'aurais adoré converser avec lui. Pas de bol, j'ai eu son successeur dont j'ai oublié le nom, pardon. Là, pour le coup, j'ai pas lu ses ouvrages. Ses travaux. Et j'avais la chance parfois de faire des dîners. J'avais un membre du CNRS qui nous mettait à jour au niveau des informations diverses et variées. Ça faisait partie des bons côtés du taf. Et depuis la pandémie, bah, plus rien. Et je suis dégoûté, j'adorais ça. Et ce monsieur, il était sabouré de talent. Oui. À saturation. Attends, mais où est-ce qu'il est allé se fourvoyer, Nainonette? Je me suis planté. Nouveau passage, carte mise à jour. Qu'est-ce que... Ah ouais, il est là-bas. Donc voilà. Ah, je suis en train de découvrir, ça y est, je suis lancé sur le tracé de course. Oh la vache! Tu parles d'une découverte? Ah, c'est cool. Ah bah on a profité pour faire des jeux de mots sur réglisse, hein. Mmh. Ouais. Du coup, je suis en train de vérifier si le tracé de course est vraiment fictif ou si ça correspond pas à un tracé réel. Oh ! Attends, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ah, start, ok, d'accord. Non, j'étais sur la route amenant sur le tracé de course, ok. Démarrer le moteur, oui, c'est un succès caché. Ok, fallait trouver le tracé. Tu me l'aurais jamais montré, je crois que j'aurais jamais trouvé, Nainonette. Merci à toi. En fait, j'ai fait un voyage rapide, ça m'a amené là. Oui, oui, c'est vrai, le pire, c'est que tu me l'avais dit en plus. Déjà sur le circuit là? Oui, oui, bah oui, je fais un premier tour, je découvre. Tu dis ça alors que je te vois dans ma rétro, c'est malin. Malin d'être dans les rétro? Ah bah, je savais pas. J'y vais tout doux parce que j'en ai marre de bousiller mon camion. Je suis un grand fou, alors j'ai roulé à fond la caisse si je te passe devant par la gauche. Hein? Ah tu me fais peur. Un pilote. Tu me fais peur. Ah bah si, on a fait un tour. Allez, j'en fais un dernier, puis je ressors pour une nouvelle mission. Ouais, pareil. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite, c'est vrai que j'ai pas de remorque, je peux forcer un peu. J'espère que je vais pas bouger le camion. Bon, la route est assez large, puis tu peux freiner facilement. Mmh. Non, honnêtement, le tracé ne dit rien. Je pense qu'il est fictif totalement, le tracé. J'essaie de faire fonctionner ma mémoire. Il y en a pas mal, hein, des tracés aux États-Unis. Au moins chaque état, au moins un tracé, mais... celui-là, il me parle pas. Je me souviens pas d'un tracé comme celui-là. En même temps, le décor, ça peut beaucoup jouer. Il y a Hello qui dit au sage, enfin, d'une manière indirecte, puisqu'il a pas tagué, mais bon. Ah, ce son, il est cool. Il passait quand tu jouais à Tomb Raider, je crois. Mais bon, j'ai gagné un tour gratuit. Je suis arrivé tellement vite que j'ai dû m'engouffrer dans le start. Oui, oui, bah prenez les références des sons que vous aimez bien. Ça diffuse sur mon... C'est dans mon habillage de chaîne. Prenez note et puis téléchargez l'œuvre gratos. Pour réparer le burnion. Et voilà, j'ai bousillé. Je suis parti en dérapage tête à queue. Merde, c'est vrai? Ouais. Ah. 8% de dégâts. J'ai merdé la maîtrise du camion. Regarde le dégât sur le... Mmh. Ah oui, là je vois ça sur Twitch.
Bon, bah j'ai arrêté de faire le foufou. Parce que la note de frais va être salée. Moi aussi, ça va pas être une journée glorieuse. Et j'y retourne. Ah. Alors, juge, je lis vite fait le titre, mais je vais pas regarder l'article en profondeur. Ouais. Le fabricant de toilettes, le fabricant historique de papier toilette allemand, Alk, a été contraint de mettre la clé sous la porte à cause des histoires entre la Russie, l'Ukraine et compagnie. Je demande bien le rapport. Ouais, moi aussi. Bon, je vais pas regarder l'article, mais je vais le lire à haute voix. C'est pas du Gorafi, hein. C'est un truc très. Est-ce que ça a fait augmenter le coût des matières en énergie, tout ça, le coût des transports, apparemment. Ah, ouais. Très dépendant du gaz, apparemment. Ah, je veux bien faire le plein d'essence. Ouais. Pourtant, hein, ils ont eu pas mal d'argent hein, quand il y a eu le confinement et compagnie. Hein. Ça n'a pas suffi. Ah, t'es un truc qu'on peut se réparer. Ah oui, je vois la clé à molette. Très bien. Bon, ben pour ces gens-là hein, qui reposent en paix. Merde, j'ai empêché mon point de parking. Peut-être. Oh, j'ai de dormir. J'aime bien la station service, mais je sais pas pourquoi. Ah, excusez-moi. J'espère pour vous que le prix de l'essence il est pas en direct parce que sinon vous payez bonbon. Il avait expliqué, Ninet. S'il peut le refaire, merci. Le prix de l'essence, j'ai pas compris, je suis concentré. Je disais que le prix de l'essence est en direct, mais je sens que j'ai déjà posé la question. C'est probable parce que j'ai vu que le prix bougeait beaucoup. Enfin, que ça avait augmenté. Après, c'est juste une impression que c'était une information que j'ai pas à 100% vérifiée. J'ai un petit souci. Il y a une collision qui est active dans le garage de réparation. Si monsieur Nainonette pouvait déplacer son camion, que je puisse atteindre la clé à molette. Merci, s'il vous plaît. Monsieur, veuillez patienter, je suis en train de faire des courses. Oh non, je me dépêche. Je prends des. Je prends juste des. Je profite pour boire un coup. Merci Nayone de ne pas être dérangé de répondre à une question que j'ai déjà posée. Je t'en remercie. Ah, ben c'est ce que j'ai fait. Ouais, ben je t'en remercie. Ah bon, je croyais que c'était. Okay. Ah, oui. J'avais pas répondu. Non, si, je t'en remercie justement. Ok. Je me dépêche, hein, le Serge. Oh, je pense que. Oui, non, bah, j'ai envie de dire maintenant tu peux prendre ton temps parce que je me rends compte qu'il fait de moins en moins jour chez moi. Je vais passer à l'artificiel. T'as 2 minutes devant toi le temps que je revienne, que je ferme les volets et que j'allume la lumière. Voilà, 2 minutes de plus pour faire une solide. Je vais retirer ma veste. Allez hop. J'aime pas trop les accessoires en fait. Ah, les gens mal garés. Là, je suis mal garé, ouais. Je le reconnais. On sent que c'est du vécu, vu comment le dit Christella. Avec le smiley. On peut mettre un téléphone. Je suis mal garé, je me dépêche. Tac. Eh bien, okay. Là, je veux savoir quand le sage reviendra. J'entendrai sa voix avant de le revoir. Ok, j'ai mis tous les accessoires à la noix. Tac. Léa mal voilà. Garé, Miggy. Ah ouais, d'ailleurs, petite anecdote qui était vraiment assez marrante. Quand on est allé sur le chemin pour aller chercher la Xbox, à un moment, on passe devant un restaurant.
Et au moment où on passe devant ce petit restaurant de terrasse, hein, c'est des terrasses, il y a mon frère, il reçoit un appel et il dit à une personne, tu tombes mal. Et à un moment, j'entends des gens dans le restaurant qui disent, ah, on est bien tombé. Ça me faisait rigoler d'entendre deux fois le même mot, mais dit différemment. Oui, effectivement. C'était bizarre. Je conçois. Alors, nouvelle mission, on fait comment, qui, que, quoi, qu'est-ce ? Quel type de chargement tu veux faire ? Ah, fais un sondage. Bon. Ah, t'avais défoncé mon arrière de camion. Excuse-moi, voilà, pour le coup, j'ai pas de dégâts. Non. C'est moi qui ai les dégâts. Un sondage, non ? Oui, je peux faire un sondage. Il faudra que je fasse de la dodologie aussi. Merde ! Oh, j'ai mon navigateur qui déconne. Ça c'est nouveau, j'avais pas l'erreur là tout à l'heure. C'est bizarre, je sais pas ce qui s'est passé, c'est en jonglant avec Gauntlet, il y a un truc qui a merdé, c'est pas grave. Ça va, je vais réparer mon camion. C'est la faute à Gauntlet. Alors, quelle livraison remorque ? Quel type de livraison ? Ouais. L'icône du tableau mystère, je suis fan. Ah, j'adore. Mmh. Merci. Je crois qu'un jour, je la regarde. Alors on propose quoi ? On propose bétailleur, je crois. Il y a plein de choix en fait. On peut proposer des remorques proposées par le marché du travail, c'est-à-dire des trucs qui ne nous appartiennent pas. Il y a bétailleur. Engin de chantier, on avait fait engin de chantier. Engin de chantier, il y avait quoi d'autre ? Du bois, les longues bûches, il y a je crois. Hein. C'est bien, ça va bien avec votre jeu, j'entends des gens klaxonner dans ma rue. Ambiance. Merde, je suis en train de commettre des fautes d'orthographe, excusez-moi. Les participants n'ont pas le droit de... Enfin, ceux qui jouent n'ont pas le droit de voter. D'accord avec cette règle que je viens d'inventer. Moi je joue pas, hein, donc j'ai le droit de voter. Oui. Je suis vilain, je vous mets que 3 minutes. Là. Allez Zou, c'est vous qui choisissez. Clairement, jeune sentier, bois, autre. Je vote. J'ai pas le droit de voter. Oh ! Mais ma souris va arrêter de bouger, lui, quand j'essaie de recadrer la caméra. Crounouf. T'as pas mon grand-père disait, j'ai pas le droit, mais je prends le gauche. Et s'il y a une égalité. Bah du coup, vu que vous êtes deux, vous respectez l'égalité. Il y en a un qui prend un tel et l'autre qui prend l'autre. Non, parce que il faut qu'on livre au même endroit, sinon c'est pas rigolo. Je suis derrière le flash, j'ai réparé les dégâts que tu m'as fait. Ah bah alors, en cas d'égalité, c'est moi qui ai le dernier mot. En tant que modo, non, mais non. Ah, le sage est parti très loin, faut que je rattrape. Mais non, cours pas. De toute façon, j'ai le problème du sommeil, mon symbole de lit est rouge. Prendre un café, moi aussi, ce qu'on soit synchronisé. Ouais. Ah oui, c'est vrai que la sortie en zigzag, elle est pas mal. Heureusement qu'on n'a pas de remorque. Hein. Mais j'ai mis trois remorques, là, ça serait horrible. Impossible, tu pourrais pas. Honnêtement, tu pourrais pas. Alors, comment dire ? J'étais étonné, mais effectivement, les remorques, ouais. Dans le jeu, après, je sais pas si c'est en réel, c'est la même chose. On peut pas, comme dans le jeu ETS, ils ont mis des remorques doubles. Mm-hmm. Et le truc, c'est qu'on a le droit de les avoir que dans les pays scandinaves. Et là, il y a des limites. Pareil, dans ATH, je croyais que c'était autorisé sur tout le territoire américain, enfin Nord-Amérique, États-Unis. Mmh. Et en fait, c'est pas le cas. Mais après, j'ai pas vérifié l'information sur Wikipédia, les sources. Bah, je pense qu'ils se sont calqués sur la réalité, hein, sinon ce serait pas un simulateur. Oh, j'ai failli te rentrer dedans. Est-ce qu'on pourra faire un sondage, pas truqué, mais tu sais, les sondages avec où on met des points de chaîne et chacun peut voter. Hop, 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 comme ça, on a plusieurs. Et c'est le public qui gagne, comme dans la vraie vie. Il faut que le sondage soit compatible, forcément, mais oui, je serais pas contre. Je déconne, mais c'est malheureusement un truc des temps. Genre, les riches gagnent, tout souvent, malheureusement. Je sais pas si c'est plus complexe à mettre en route. Mais la prochaine étape au niveau des points de chaîne, je pense. Alors, je pars pour ma crèmerie, pardon, pas pour la team FunFan, mais. C'est, ouais, je vais développer les options interaction publique Minecraft. Oui, on t'entend. Fais ton. Voilà, hein, bon. Donc, il faut faire la petite sieste pour le sage.
Sacré Nine. Je propose d'aller en face. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, bravo pour la programmation que tu es arrivé à le faire, parce que je trouve ça impressionnant depuis un chat Twitch. Tu es arrivé à en faire en sorte qu'on arrive à communiquer avec le chat du jeu. Bravo. Bah, hein. Merci, j'ai réussi à tisser les liens ouais, entre les différents services, mais le mérite revient très honnêtement à Wisebot qui arrive à développer l'équipe de Wisebot. Alors, je ne sais pas s'ils sont plusieurs, mais c'est français déjà. Ah merde, égalité citerne engin de chantier, dis donc. Oh, je suis passé au rouge, quelle andouille. Résultat, tu as 2 pour la citerne et 2 pour les engins de chantier. Ouais, merci. Bah, je laisserai Ninonet trancher. Ah ouais. Citerne. Ah non, citerne, on a déjà fait. On va faire. Non, on a déjà fait les deux citernes. Oui, on a fait citerne et engins de chantier. Les deux leur plaisent. Bon, bah, je tranche pour citerne. On va commencer par citerne et puis on fera le. Ouais, l'engin de chantier. Merde, c'était vert, moi par contre, j'ai pas réagi. Je lisais le sondage. Pour revenir, tu disais la programmation. Oui, GG à Wisebot qui a fait du bon boulot justement de rendre possible ça. Et c'est bien, il propose des nouveautés. Moi, je suis pas mécontent d'avoir investi pleinement dans la version complète de Wisebot. Alors, je vous cache pas, j'ai payé plus de 100€, mais je trouve que ça se rentabilise vachement vite parce que la chaîne, elle devient vraiment vivante. Vous avez un choix d'interaction de Maboule. Et ah oh non, laissez-moi passer les mecs, c'est sympa. Quoi Le stage, je te laisse terminer, je mets une petite parenthèse quand t'auras fini. Bah juste pour dire que ma fierté, oui, c'est d'être parvenu effectivement à faire le lien Minecraft, machin, Twitch et Minecraft, et qu'il va y avoir plein de nouveautés. C'est pour ça que dans ma boutique, il y a une rubrique dédiée Minecraft. Là, il n'y a que 2 choix. Mais à terme, sans déconner, il va y en avoir 20-30, parce que le nombre de choses que je peux programmer, c'est vertigineux. Vas-y, dis-moi tout, je t'écoute. Le garage, il faut que tu continues tout droit, et que tu tournes au bout, tu ailles jusqu'au bout et tu tournes à droite. Moi, j'ai mon garage, je l'ai acheté, avant que toi, tu veuilles acheter celui-là. Attends. Et tu as, pourquoi Nayone, Nash qui dit, Nayone, il fait le kéké. Je sais pas pourquoi il dit ça, mais... Parce que je conduis n'importe comment. Ah, d'accord. Mais j'ai pas de thune moi pour acheter, j'ai 83 000, je peux pas acheter un garage avec non, ça. Non mais achète pas le garage alors, tu sors du garage, tu vas tout droit, à la deuxième intersection tu vas à droite, et au bout il y a le... avant l'autoroute il y a le garage pour dormir. Eh ben figure-toi que je viens de prendre un café. Ça a déclenché la pause, ouais, c'est cool. Bon c'est cool. Moi je vais prendre la pause. Mais non, mais c'est le garage de Tuscon, je l'avais déjà, c'est le mien. C'est celui d'origine dans le jeu en plus, quand tu démarres, si j'ai pas de bêtises. Ah ok. Ah bah c'est bien tombé. Nash. C'est moi qui dois y aller. Qui me dit, qui me donne le contexte, c'est quand tu as doublé comme une furie le sage en klaxonnant. Ah oui. Kéké. Je vais l'énerver du 54 au volant. Et Christella qui dit, je sens la cata quand on va être plusieurs. Oui. Qu'on va être un vrai cortège, ça va être un gros délire. Je vois pas qui est dangereux dans sa conduite. Moi, je trouve que j'ai une conduite saine et équilibrée. J'espère qu'avec vous, il y aura Monsieur Poupon parce que je le vois faire n'importe quoi avec le camion. Non, mais je sais très bien que j'ai quand même au début, je vais aller normalement, mais à la fin, je vais faire des petits trolls. Et si Nash pouvait dans yeux, il prendrait le rôle du policier pour vous mettre des amendes. Mais je suis pas dans la bonne file. Et merde. Dash. Je vais devoir couper la voix. Couper la voix? Bah oui. Je suis pas sur la bonne file. Ah, j'ai compris. Couper la voix de Discord. Non, mais non, mais non. La voix de Voirie. Circulation. Mais non, mais donc, non. Le sage. As-tu trouvé un job pour notre livre? Non, puisque je te suis bêtement en fait. Ah, ok, bah. Donc, t'es parti pour Citerne. Eh oui, on fait Citerne, et puis là, la prochaine ce soir, on fera la. Quoi, engin de chantier? Pour faire plaisir à tout le monde. Donc, je suis. Non, c'est toi l'autre de la partie. Alors, ce qu'on peut faire effectivement, c'est que je cherche une Citerne. Ah non, tu cherches une Citerne parce que t'as pas les DLC. Je laisse chercher la Citerne. Ok. Et je vais prendre le même travail que toi. Ok. Pour l'instant là, je vais faire le kéké sur les routes et je vais te barrer la route comme ça. Je plaisante. Merde, d'ailleurs, faut que je me gare. Tiens, d'ailleurs, je vais faire suer les gens, je vais essayer dans le carrefour, je vais mettre les warnings, allez hop.
Et moi, je vais faire des cercles autour de toi. Tu peux, en plus. Alors, les marchés du travail, une mission rapide, je crois, non? Ou off de traction? Non, off de traction, plutôt. Mission oui, off de traction, oui. Ok. Et pas off de cargo. Alors, on a dit citerne. Oui, c'est ce que vous avez dit. Citerne. Je vais faire un vomito. Et s'il n'y a pas citerne, ben, j'ai un chantier. Non, il faut que je risque de... Je vais réussir à me faire vomir et à faire le mariole comme ça autour du camion du sage. Là, je suis d'accord, Nashamad, ça fait plus kéké, là. Tout à l'heure, ça s'est énervé, et là, ça fait kéké. Le cousin de Vomito, c'est Vomitar. Oh, des pesticides. Je dis ça avec une joie. On va polluer la planète, ouais. Pesticides, il faut que tu regardes mon signal, Aeroster. Aeroster. Ned, pardon. En fait, je vais prendre la même mission que toi grâce au menu de multijoueur. Ah oui, c'est vrai. C'est j'ai quand même regardé Pesticide, Phoenix, Camp Verde. Ah, mais t'as pris Phoenix, on n'est pas à Phoenix. Et il faut que tu sélectionnes la ville. Ah, tu veux pas en trouver directement à Tucson des citernes? Ah oui, tu as raison. Et Vomitar, tu sais quel est son prénom? Non. Bah, c'est Guy. Parce que ça finit avec Tar, ça fait une guitare. Oh. Oui, fan, mon dieu. Réservoir mélangeur, ça compte pour une citerne ou pas? Bah, un petit peu, mais après. On va voir s'il n'y a pas plus citerne que ça. Ouais. Ouais. C'est mal barré. Sinon, on va se déplacer en voyage rapide à Phoenix, c'est pas grave. On a un peu de thunes, on peut voyager. Oh, si, j'ai un réservoir, mais la mission va être courte, je trouve. Oh, bah, on va aller à Phoenix et on va se déplacer à Phoenix. Bah, écoute, attendez. C'est peut-être pas si mal que ça, pourquoi? Le tableau mystère, on va peut-être finir la mission la réservoir qui est moyenne. À la fin de la mission là, je fais le tableau mystère. Non, kilomètres. Voilà. Il reste 750 miles. Allons-y, c'est partant, moi je suis partant. Allez, ok, on fait celle-là. Donc je te laisse choisir la mission. Te laisse. Je vais te suivre quand même. Alors l'entreprise déjà est à 26 miles. Merde, il faut que je quitte les warnings. On passe demi-tour. Pardon. Moi, je regarde que bêtement. Ah non, j'ai oublié de réinitialiser la carte. Mon GPS. Péné, échappe, map. What? Attends, reset. Je m'arrête au... Il me dit quoi, le GPS? J'ai l'impression qu'il est devenu fou, mon GPS. Est-ce que tu l'as réinitialisé, le GPS? Non, parce que là, je fais un circuit, là. l'Arizona, j'aime bien cet état. Je vais bloquer la route sur les rails. Enfin, oui, je te vois, foufou. Oui, j'ai tellement bien réinitialisé que j'ai... Merde, je vois plus rien. Au secours, comment on fait pour remettre la mission dans le GPS? Alors, échappe. Tu vas rechercher la mission dans une mission de travail. Pour aller rechercher, resélectionner la route. Oh merde. Je suis un idiot. Oula. Voilà. Définir comme destination GPS. Non, mais il me fait faire un demi-tour débile. Faire un demi-tour débile. Oui. Enfin, c'est pas comme s'il y avait la voie ferrée, mais. Je reculais sur la voie ferrée. Je te laisse. Voilà. Vous n'avez absolument rien vu. Bon, non plus, on est... Là, c'est vraiment les chauffards du Timor. Ouais. Hey, moi je me demande, est-ce que l'Arizona c'est là où est née l'entreprise Amazon? Mène ton enquête. Ouais. Mène ton enquête. Où est-ce qu'ils sont? Où il est né en Amazonie? Je ne sais pas. C'est pas. Amazon. D'ailleurs, est-ce qu'on dit Amazon ou Amazon? Attends, on dit être en Amazon, mais. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est dans la... Comment ça s'appelle? Les trucs de cheval d'arçon, je crois. Les Amazones, c'est dans... C'est Wonder Woman. C'est la référence. Aussi. Il me semble que c'était plutôt dans la mythologie viking, les femmes Amazones. Les Valkyries. Ah, je crois que les Valkyries. Merci. C'est là.
C'est bien, c'est là. J'allais développer ma connerie. Tiens, intéressant. Chef Bezos, qui est notre patron, il est né à Albuquerque au Nouveau-Mexique. On s'en fout, mais bon, toujours culturel. J'ai pris le même job que toi. C'est bon. Ouais. Par contre, tu l'as pas annulé. Tu l'as annulé, on l'a dans Lost. J'annule rien du tout. Ah, ça charge, moi. Pourquoi il fait ça? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi j'ai pas la remorque à vue? Ah merde! Allez. J'arrive dans l'arrière de la remorque que je dois tracter. Oh, le gros nigo. Ah, puis c'est fait pour que je sois condamné à faire un an, je peux peut-être passer par là. Attends, je mets les warnings là parce que je prends des risques. J'ai l'impression d'aller chez Laurent Merlin, sans déconner là. Je vais acheter des briques, du ciment et des tuiles, s'il vous plaît. Ça vous fera 10 000 boules. Pour ceux que ça intéresse, pourquoi il a appelé ça Amazon? C'est très drôle en fait. Bezos. C'est quel côté? Ah. Vas-y, Fan, excuse-moi, je t'en prie. C'est dans le contrat, peut-être. Bezos voulait que le nom de l'entreprise commence par un A pour apparaître en tête d'un classement alphabétique. Il a commencé à regarder un dictionnaire et il s'est arrêté sur Amazon, sur le fleuve qui est en Amazonie. Malin. C'est un lieu exotique et différent, que le fleuve était considéré comme le plus grand du monde et qu'il souhaite à son... Tiens, je teste les collisions. Voilà, ça marche. Pourquoi ça s'est appelé Amazon? Mais j'étais pas loin quand je disais Amazonie, parce que le fleuve Amazon, il est dans l'Amazonie. C'est ça. Non, pourquoi, tu vois? Par des associations d'idées toutes bêtes. Bon, faut que je m'arrête de m'encaisser dans le décor, là. J'ai l'air ridicule, alors que Ninot a déjà réussi. Ça n'a rien à voir avec l'état d'Arizona, même si je ne sais pas où c'est situé. Amazon, j'ai pas trouvé dans le... Le kiki a du style. Le kiki a du skill. C'est pour faire une blague. Pardon. Je peux pas m'en empêcher. Je me moque du sage et je coupe la parole à Funfan. C'est honteux et c'est honteux. Mais je t'attends, le sage, j'ai juste... suspecté un petit peu. Je sais pas, tu manques. Maintenant, il y a beaucoup de circulation tout d'un coup, là, mais oh, ne partez. Où c'est vous, monsieur? Ça parle mal. C'est vous, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, vous? Vous savez pas conduire. Où c'est vous? Ouais. Et t'as la même route que moi, là? Parce que moi, je parle opposé. Hein. Mon GPS m'a dit autre chose. Hein. Ouais, bah, je fais pareil. Mon GPS, il m'a... Je l'ai pas suivi. Parce que j'ai trop occupé à faire le kéké. Ah, bah, bravo. C'est vrai que, en plus, j'avais oublié, mais c'est vrai qu'ils ont racheté la société Metro Goenin Mayer. Celle qui faisait les James Bond avec le tigre qui démarre dans les films. Mmh. Et ils ont racheté Amazon. Le lion qui est grogne là. Mmh. Re-camionnaire, rebonsoir Pop et Ripop. Voilà. Bonsoir Pop et Ripop. Ah, je vais y casser mon camion. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, malheureux? Je suis en panique parce que j'ai pas pris la bonne route. Ah, ça va, je roule doucement. J'ai une citerne très lourde. Oui, aussi. C'est pour ça que je suis pas le fou. Ah, ça y est, l'autre type. Ah, vas-y. Mais oui, j'ai une amende comment? Ah, avec cette vitesse, bon, c'est rien. Que 400$. Le siège social d'Amazon est à Seattle, à Washington. Donc, parce qu'il y a deux Washington. Il y a Washington DC, Columbia, c'est là où il y a la capitale. Et ils ont un autre Washington qui est situé à Seattle. Voilà. Oui, alors attends, il faut pas, Washington, pardon, Chateron, il faut pas confondre la ville avec l'État. La ville capitale des États-Unis est effectivement sur la côte Est, alors que l'État de Washington se trouve dans la côte Ouest. C'est pas grave, Gabriel nous dit que s'il a pas été là, Gabriel Kalinski, désolé si je dis mal ton pseudo, te dit que s'il a pas été là, c'est parce qu'il a oublié de ces derniers temps de mettre ses notifications. Oh là, le sage, t'as besoin de régler ton volant. Hein. Oh la vache, oui, tu fais des écarts de fou, ouais, je sais. Tu fais des écarts de fou, ouais. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir. Il voudrait savoir aussi si un de ses records a été battu dans Marvel.
Alors, je vais me permettre de te faire travailler, mon cher FunFan. Si tu peux faire point d'exclamation Discord pour l'ami Gabriel, s'il te plaît, merci. N'hésite pas à rejoindre le Discord. Pourquoi, mon cher Gabriel? Je suis en train de tenir une branche de mon Discord avec les records des bibis, qui est pas encore à jour. J'ai un peu de retard, mais je vais le rattraper. Et tu vas pouvoir avoir mes notifications quand je prends mes directs sous le Discord. C'est une nouveauté de cette semaine. Justement, ça évite de mettre la main à la poche au niveau des abonnements. Vous pouvez avoir ma notification de mes prises de direct sans être abonné Twitch en étant juste inscrit dans mon Discord, et ça vous coûtera pas un rond. Ça, c'est la nouveauté de la semaine et j'en suis ravi. Donc voilà, n'hésite pas à venir t'inscrire, Gabriel. Je t'y invite, tu seras doublement servi par rapport à ces besoins-là. Alors, le sage. Vas-y. Je voulais dire un truc dans le jeu de camion. Au niveau des sauvegardes Steam, le cloud Steam, les sauvegardes se font bien pour la progression de l'histoire, l'état des camions, tout ça. Oui. Mais tout ce qui est réglage périphérique d'entrée utilisateur, ça jarte. Oui, c'est local. Non, mais j'ai eu un moment, j'ai eu un bug. J'ai voulu jouer et reprendre le camion. Je voulais diffuser et j'ai ragé parce que je me suis rendu compte que ma manette, alors qu'elle était connectée, était pas prise en considération. Il y a peut-être un autre périphérique, je sais pas lequel, et c'est devenu l'enfer. Alors, t'as regardé dans la liste des manettes, dans la liste des périphériques, c'est possible de sélectionner la manette Xbox One ou PS machin ou directement, et normalement ça remettait tout. Eh ben malheureusement non. J'ai essayé ce que tu viens de me dire et ça a foiré. Ça m'a complètement amnésie totale pour mes réglages. D'accord. J'ai pas compris pourquoi, un bug. Bon bah tant pis. D'accord. Yann, hello qui te dit à toi que tu as besoin, le sage, d'un parallélisme. Eh ouais. Ah ouais. Parce que le parallélisme des pneus. Ouais. Gabriel, je te l'ai fait Discord. Bon, je vais te le refaire, mais. Bah oui, au niveau du lien, faut que tu cliques sur le lien, Gabriel. Ah, ça n'a pas marché parce que l'alerte est trop récente. Oui, c'est ça. Attends, bah, je passe au plan B. Attends, il va faire comme ça. Ah, merci, FunFan. Mon pauvre, je te fais bosser, là. Oh, pas grave, je suis là pour ça. Modérateur. Bon, je vais relayer un peu plus loin du stage parce que je sens qu'à un moment, j'ai percuté à cause d'un petit écart de volant. Ah, c'est le risque. Sage décision de ta part. Je mets un peu plus loin. J'ai un mal de chien, on est resté sur ma voie. Et pourtant, j'avais un pilotage, une conduite plus souple avant, à la manette, mais... Ouais. Au niveau du sommeil, je suis sur les pieds du lit. Oui, bah moi aussi. On a un pied en même temps. Bah oui, on est synchro. C'est ça qui est bien. En tout cas, c'est bien plaisant de jouer en multi. Oui. C'est bien plaisant. Gabriel, tu peux aussi aller voir dans tes MP Twitch, je t'ai fait un lien avec directement l'invitation. DJ Psycho, le sage, est-ce que tu as customisé encore plus ton camion? Parce que je vois que tu as une peinture avec un aigle royal. Alors ça, c'était avant l'achat de la cabine, là, des accessoires. L'aigle royal, je l'ai depuis au moins un ou deux directs. Hein. J'avais changé de camion, j'avais expliqué le comment, du pourquoi. D'accord, est-ce que tu as... Est-ce que tu peux confirmer mon propos que dans les accessoires de camion, il n'y a pas l'éclairage par LED à l'intérieur? Je te confirme, ouais, c'est une de mes grosses déceptions. Il n'y a pas d'éclairage à mettre en place dans les accessoires de cabine, malheureusement. Tu peux prendre ça, Attends, je vais te dépasser. J'ai déjà un coup de frein, je n'aurais pas dû. Je vais anticiper, en fait. Ah, du coup, tu te mets sur la bande d'arrêt d'urgence. Bah, j'ai peur. J'ai peur au niveau de mes écarts, que tu arrives en furie, donc... ouais, qu'est-ce que ce travail, c'est pas conduire. Pas de permis de conduire ou quoi? C'est ça. Ok, de Pollux, permis de conduire ou quoi? D'ailleurs, je vais me mettre sur... Ah merde, c'est une sortie. Ah bah non. Non, je veux pas sortir, je reviens sur le doigt. Je ne sais pas conduire. Alors là, il y a un virage dangereux, je sens que tu vas me rendre. Oui, on ne panique pas, on renverse pas le chargement. Attention, je te dépasse. Ah! Ne bouge plus, le sage! Je ferme les yeux! Oh, sans les mains! N'importe quoi! Et maintenant, une petite queue de poisson! Excité au volant! Ah là là!
On a perdu Funfan, il est complètement atterré par ce qu'il est en train de voir sur ma chaîne, il m'a jamais vu comme ça. Oh non, 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 je repose ma voix un petit peu aussi. Mais tu peux. Merci. C'est vrai que t'as fait beaucoup de lectures, mon pauvre. Ah là là. Ça me dérange pas, c'est plutôt bien de faire de la lecture. Si je conduis comme un kiké sur l'autoroute. Je suis en train de me faire peur. Je rigolais avant, mais là j'étais en train de me faire peur parce que l'hiver je serais comme ça. Par contre, c'est mal fait l'image du pneu. On dirait qu'il bug ou je sais pas, c'est ou qu'il va crever, mais c'est bizarre. Non, c'est pas un pneu que tu vois sur le côté, c'est mon drapeau de. Ah. Là j'ai des drapeaux de chaque côté. Ah d'accord. Regarde. C'est des drapeaux de signalisation, mais même moi ça me sert en repère, je vois si je vais toucher ou pas. C'est pratique quand t'es dans la cabine de pilotage, merde il freine. Il me fait flipper. Je mets sur la bande d'arrêt d'urgence. Ah bon. Et le décalage, voilà, ouais. Je fais des. Allez, je te dépasse, je te laisse dépasser, tu me redépasses, c'est marrant, comme ça on voit les camions. Ah. Et je rappelle que Quinsen n'a pas le monopole du mot crevé. Je vais rester sur la bande d'arrêt d'urgence bien à droite. Ça, tu peux dépasser tranquillement. Roule comme un kéké sur les deux voies au milieu. Tu crois les automobilistes. T'as raison, c'est Eric. Hein. Fallait te faire chier, quoi. Bah oui, dans leur chapeau, c'est normal. Oh, purée. J'ai dit purée. Mais est-ce qu'on met la purée. Est-ce que tu manges aussi ta purée dans ton chapeau? Oh. Mais oh, c'est fini. Oui. Non. Je la mange dans une assiette et que je mets dans une casserole. Alors j'ai envie de dire pardon les enfants, il est 19h25, il y en a qui sont déjà passés à table. C'est malin ça. Oh, je vous félicite pas. Un stream pour adultes. Ouais, est-ce que t'as interdit au moins de 18 ans le sage? Oui, oui, c'est vrai en plus. Oui, oui, si, si, dès le début c'était dans mes normes, je voulais me déclarer 18+. Hein. Ah, moi, c'est ce que j'ai fait rapidement parce que même si certains de mes jeux ont mal vieilli, machin, mais je veux pas de problème là-dessus. Ouais, ouais. Tout moins de 18. Et là, je te redépasse. Allez, je suis un kéké. On sait que tout le monde ment sur son âge. Ça sert à rien, ce truc, franchement. Et là, je vais faire un petit freinage. Je vais faire piler le camion derrière. C'est comme. Oui. Sur les sites pour adultes. Mais en même temps. Ah ! Mais il va me faire rager ! Alors, Gabriel, il a utilisé des points de chaîne et il veut t'hydrater. Oh oui, merci. C'était trop de temps, je vais voir l'expérience que ça faisait. Et c'est du coup, j'ai cassé mon camion, mais je suis con, en fait. Oh. Et ça y est, j'ai un nouveau dysfonctionnement du tableau de bord. Pop qui dit je ne mens jamais sur ton âge mais on le connaît pas alors donc on peut pas savoir déjà s'il y a un début de vérité ou de mensonge vu qu'on n'a aucune indication. On peut essayer de deviner. J'arrête parce que c'est pas drôle au point. Bah j'ai un tableau de bord qui à nouveau dysfonctionne grâce à toi. Voilà. L'arroseur arrosé. Non c'est moi. Ouais, oui, enfin non, j'ai eu un cassage de la remorque. Ouais, c'est ça. Il y a pas freiné. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça, moi? Ah, 37 ans, pas loin de la quarantaine. Il faut encore profiter des quelques années avant d'y passer. Oh. Yeah. J'ai juste 7 ans de moins, moi. Hein. Oh yeah! Merde, j'ai embouté quelqu'un. Ça va être génial, j'ai même pas regardé dans le rétro. Funfan, il y a 92 sautiers niveau premier. Il est au niveau 193, GG à lui. Christella, qui est inhabitué, est au niveau 63. Et Gabriel, il est curieux, il est au niveau 16. Et Pop qui nous dit pour moi, c'est mieux que mes 17 ans en tout cas. Et Nash qui nous dit et moi, 20 ans de moins.
Alors, vous aurez vu sur mon direct l'abruti de Nigo, de chauffeur là qui transporte les tuyaux que j'ai emboutis tout à l'heure, à croire qu'il était à charge de revanche. Il a changé de fil de manière totalement déraisonnable alors qu'il était sur la bonne file pour passer les travaux. Et résultat, j'ai accroché une bagnole parce que j'ai pas regardé mes rétros en changeant de voie. N'importe quoi. Qu'est-ce qui t'arrive le... ça continue là. Le Bob il s'est vengé. Ah oui alors. Bon dans l'histoire moi aussi j'ai perdu du... J'ai pris des dégâts. Il est mort derrière. Je sais que pour un joueur débutant c'est pas drôle mais bon... Fallait que je la fasse. Je vais voir ce qui se passait quand je pilais qu'un autre café qui avait entre moi. Ah, comme d'hab, toi aussi, à ta manière, t'auras contribué à la compilation des clips. Ah, vous le savez avec moi, hein, toutes les âneries sont immortalisées. Méfiez-vous. Le public sera pris à témoin. Ah, puis il n'y a pas réparation ici, c'est que le dodo, ça m'intéresse pas. C'est beau, l'effet du soleil. Ça y est, Gabriel a atterri sur ton Discord. Bienvenue. Oh, cool. Bienvenue à lui. En plus, je gère ton Discord, je gère tout. Là. Oui, t'es un chef. Ah, ouais. Mais qui? Bien joué. Oh. En tout cas, merci le sage de pas être fâché après ma trollerie. Parce que ça méritait bien une engueulade. Bon. On est dans du jeu, mais bon. T'es canaillou. Non, pas au micro, mais je suis pété de rire parce que mes rires, on les entend pas tous. Oui, ah, du coup... oui. Non, mais on le devine. Le truc, c'est que il y a toujours le fameux bug quand ça. Je crois que ça arrive plus la nuit dans le jeu quand il y a des bugs. Ah, j'ai une amende des flics. 500 balles parce que j'avais pas mis mes phares. Ah oui, moi aussi, tiens. Allume-les, ouais. Ouais. T'as pas mangé la viande ou réglisse? Ah, à droite, il y a un réparateur, je crois. Oui. Je suis en train de douter si j'ai encore des phares. Ça s'allume sur le tableau de bord, mais je vois pas sur la... Les phares, ils se cassent pas, hein, ils marchent toujours. Ah bon? Oui, c'est juste de la... Oh, tu me poses une colle, en fait. J'ai pas l'impression. Ah oui, il y a un réparateur à gauche. Je me suis arrêté au stop. Ouais, je vais faire pareil parce que là, franchement, mais j'ai pas l'impression que mes phares soient opérationnels. Là. En fait, là, de jour, ça en fait encore un peu jour, ça se voit pas. Ah, mais ouais. T'as le voyant des phares, en fait. C'est le moi, c'est en haut à gauche du volant, c'est un bouton de tournoir comme un bouton sur une machine à laver. Ouais, non, mais j'ai mon tableau de bord qui me l'indique, mais justement, ça correspond pas à ce que je vois se projeter sur la route. Ah, je vais arrêter de faire le niveau parce que la facture va être mirobolante. Je vais me retrouver avec moins de pognon que j'en avais au départ du direct. À ouais. Force de faire des âneries. Ouais. J'ai oublié. Ce qui est marrant, c'est de le faire, mais quand t'as plein de fric, sinon c'est. Pour moi c'est un truc que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est pouvoir donner de l'argent, rembourser de l'argent à un joueur quand on fait une connerie. Ouais. Alors c'est là mais où il faudra que nous soyons gentlemen avec Christella parce que. C'est le genre de truc, si elle est en début de carrière, ça va pas le faire la pauvre, ça va la frustrer. Après il y a des accidents qui arrivent. Voilà. Je vais prendre une pause café, si tu veux prendre une pause café toi. Attends, aussi. Je me suis embarqué où moi? Non c'est bon, ah, tu fais le tour et ça passe. D'accord, j'allais dire c'est un énorme complexe. Faut aller tout au fond, ouais c'est un énorme complexe. Faut aller tout au fond. Wow, il pleut comme vache qui pisse maintenant. Est-ce qu'il y a des commentaires sur le chat à la suite de ma bêtise? J'ai pas fait attention. J'essaie de repérer les lieux, mais je suis complètement largué. Elle est où la clé à molette? Elle est là? Tu me suis. Voilà, t'arrives là, ouais, c'est bien. Ouais, je vois pas mon jaune. Et de l'autre côté, en fait, de l'autre côté du bâtiment. Rouge et blanc. Mais ah non, c'est un truc de peser, c'est une balance. Non, l'autre mais c'est de l'autre côté, du en fait. Bâtiment rouge et blanc, d'accord. Là, derrière moi, juste derrière moi, elle est la clé.
Et comme dire, moi j'ai eu des dégâts sur la remorque, j'ai eu 12% de dégâts sur la remorque. Donc les dégâts sur la remorque, comme c'est une remorque prêtée, on paye rien du tout. C'est que le contenant est pété qu'on paye, et c'est l'assurance qui paye une partie. Donc moi je suis à 8% ou 7% de ma poche. Tu veux, je t'invite à te garer pour prendre une sieste, comme ça on se fait synchroniser. Oui, je viens de lire le commentaire de Christella, j'ai failli recracher ma boisson tellement ça m'a fait rigoler intérieurement. Elle nous dit, je vous enverrai la note par email recommandée avec signature. Ouais, voilà. Du coup, je suis presque foutu partout. Bref. Non, mais en fait, j'ai fait, Nashama, c'est pas si tu poses la question que tu poses, j'ai fait le gros troll. J'ai dépassé le stage, j'ai dépassé le camion qui était devant lui, j'ai fait une queue de poisson au camion qui était devant lui, et il y a eu un carambolage. Mmh. Ah, t'as la pluie, le stage. Oui. It's a rainy day. Bon, je fais la paix en même temps et la pause. Ah, ça se couvre. Oui, j'ai pas vu le sens des places de parking. D'ailleurs, je vois pas mon rétro, c'est pas bien. C'est là où je suis. C'est là où je suis. Alors, mais j'ai vu. Où qu'il est sur ta gauche. Ah sur oui, ta je te vois, je te vois. D'accord, c'est là-bas. T'as pas mangé la viande, Régis? Ah oui, c'est vrai. Depuis tout à l'heure, il y a un truc qui m'impressionne quand je regarde à droite. J'ai acheté des accessoires de cabine, et notamment le sandwich de l'infini. Ah oui, la petite d'hamburger. Moi, c'est une boîte ouverte, il y a juste un hamburger, et quand je prenne et quand j'accélère, la boîte s'ouvre et se ferme. Ah ! C'est amusant. Bah, là, j'ai fait un intérieur de cabine, je représente à ceux qui n'étaient pas là au début du direct. Comme si j'étais dans la vraie vie, c'est-à-dire que j'aurais besoin d'avoir mon café, ma glacière, mes affaires dans mon sac à dos, fin de voyage, la boisson et de quoi dormir à l'arrière, vous voyez, couverture, oreiller... Et puis le côté un petit peu patriote, drapeau américain, histoire de voir un fond coloré et pas le truc en plastoc de ma cabine. J'avais cru que sur la tasse ou le mug, c'était le logo de Mortal Kombat. Oui, le dragon, ouais, mais non, c'est une tasse de café avec de la vapeur par-dessus, ouais. Question bête pour vous deux, selon comment vous mettez pour vous reposer, est-ce que ça vous rend plus en forme ou pas, si vous prenez du café, tout ça, ou si vous n'êtes pas équipé, ça change rien? Ça change rien. Ça change rien. C'est vraiment esthétique. Ouais. C'est dommage, ça aurait été bien. Le seul truc qui change, c'est si tu fais le repos en solo ou en partie multijoueur qu'on voit. C'est-à-dire que si tu le fais en multijoueur comme on le fait actuellement, tu vois qu'il nous dit qu'on prend une pause café. Donc le temps reste le même, le temps aussi bien météo que le temps temporel dans la journée. Alors qu'en solo, t'aurais 8h ou 9h, je crois, qui passerait. Donc tu pourrais passer du jour et de la nuit et vice-versa. Instantanément. C'est la seule grosse différence dans le repos entre une partie en ligne et une partie en solitaire. Ou local, si tu préfères. Ouais. Ah, mon téléphone a sonné, je me suis pas rendu compte, il était en mode sourd. Merde, j'ai raté mon virage. J'ai pris trop serré. Le truc, oui, mais en même temps, les réglages de la manette, c'est vrai que ça... Non, mais c'est moi qui ai merdé, faute de débutant. On va dire que je me suis fait avoir par la clope planning. Hein. Oui, voilà, clope planning. C'est vrai, en plus. Alors, mais ça... Ah oui, il y a l'effet de la clope planning, en effet. Eh bien, je me suis fait avoir, comme un bleu. Non, il y a de l'éclairage urbain, je vais arrêter avec les pleins phares. Ah, je vais m'insérer, sagouin. Pardon, excuse-moi, je bloque le... Non, toi, tu fais ce que tu veux, mais moi, c'est l'autre, je parlais, pardon. C'est bon, je me suis inséré. Sagouin. Non, sagouin... Sur l'autoroute. Ouais, le sagouin, c'est celui qui va te dépasser, là, qui était entre nous deux. Ah, qui renonce, finalement. Bah oui, parce que je vais très vite. Et je roule à 50 miles par heure. Du coup, je dépasse pas ou pas? Bon, bah, alors, je le dépasse. Non, la bagnole, laisse-moi dépasser mon frère camion, s'il te plaît. Fais pas suer. Laisse-moi pas. Je la fais ralentir. Je la fais ralentir. Je roule à 30. Ouais. De toute façon, je suis déjà engagé dans la voie. Alors... Oh là, je conduis super mal. Les à-coups que je donne, je me fais peur moi-même. Fais ralentir, hein. Je roule à 40. Non, mais non, t'inquiète. Je suis à 50, 60 miles.
Je tangue. Oula, je vais me calmer. Je suis plus rassuré si je te vois devant. Oui, je vais peut-être te dépasser toi, tiens, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, je suis dans mon élan. On arrive à Ehrenberg, parce qu'on va presque en Allemagne, là, avec un nom pareil. Ça y est, je m'en vais. Hambourg. Hamburger. DJ Psycho. Oh, ça fait bizarre, le stage de Nancy, DJ Psycho. Eh oui, c'est mon pseudo d'artiste. Psycho. DJ Psycho ou DJ Psycho? Tu peux dire les deux. J'y accorde pas d'importance. Il y en a même qui m'appelait DJ Psycho, alors. Psycho. Ouais. Vous êtes obligés, vous les anciens, d'avoir toujours deux pseudos minimum. On est versatile. Ah non, si. Et c'est un gars de la Provence qui a un compte secondaire qui nous dit ça. Non mais dis donc. Fini, El Chito, là. Ah, tu m'as cassé, j'en prie. Trahi. Ça balance des... Ça balance des pics parce que déjà j'en fais voir toutes les couleurs au singe avec mon camion et ensuite. Ah, vous m'avez chauffé à blanc, hein. Tu savais, en réalité j'ai trois pseudos. Alors. Mm. Ah, on veut savoir. En matière de pseudos, je compte même pas le nombre de pseudos refoulés que j'ai sur Wikipédia, c'est pas mal. Pseudos refoulés. Putain, bref. Bah, au collège, quand j'étais à fond dans le FM Paranormal, que j'avais mon émission de radio, au lycée, pardon. Au collège, et ça m'a poursuivi au lycée, c'était l'extraterrestre. C'était mon pseudo. On m'appelait l'extraterrestre. Parce qu'il comprenait pas le langage, c'est tout. Il y a de ça aussi. Ou alors, moi, pour moi, c'était pas un pseudo, mais parfois j'étais aisément qualifié d'intello. Alors, ça, c'est une étiquette qui m'a collé. J'en avais marre. Oh là là, quand je suis sorti du lycée, arrivé aux études supérieures et que j'ai plus l'étiquette d'un télo, ça m'a soulagé. Oh. Ah. Il passe d'un niveau de maturité beaucoup plus élevé quand il passe du. Bah, y a ça. Ça calme. Non, mais c'est vrai, ça m'a libéré d'un poids. Ouais. J'en avais marre qu'on colle cette étiquette. Alors que j'ai les essuie-glaces en furie alors qu'il fait sec maintenant. Faut que j'arrête mes âneries. Tout à l'heure, j'étais aussi en train de faire le même constat. Je dis, je suis en train de râper mon pare-brise. Ouais. J'allais dire qu'on ferait la mission et puis qu'on fait le tableau mystère, mais non, on est grave décalé là. Le tableau mystère, c'est censé être dans 5 minutes et il reste 60 miles. Est-ce qu'on peut enregistrer? Il y a possibilité d'enregistrer, il me semble. Non, mais de toute façon, on peut s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence dans 5-10 minutes et puis on fera le tableau mystère et puis voilà. Ouais. C'est pas un souci. Okay. C'est pas comme si on était juste entre nous deux, tu vois. On serait encore disconnecté en simultané, ça le ferait pas. Je serais obligé de vous rejoindre plus tard. Ah, bonsoir le point. Ah bah tiens, le point qui va peut-être participer au tableau mystère, tiens du coup. Comme je vais faire ça dans 10 minutes, je sais pas s'il connaît. Il ne s'est marqué que play. Sinon après ça va être compliqué. Oh, hein. Il va réussir à faire un point d'exclamation TM et donner une bonne réponse. Il va être captivé par le jeu. Ouais. Mais là, vraiment il fait ça et qu'il joue au TM, il a un TM avec des bons joueurs classiques. Tu lui mets la passion là. Je me débrouillais pour t'inventer un jeu du bonjour, hein. La politesse, apprentissage de la politesse. Oh là, il y a un bouchon là ou quoi? Eh oh! Oui. Ça ralentit sur quasiment toutes les voies. L'autre il me dépasse, c'est tranquille. Un jour je vais te civiliser le point, je te le dis. Et toute ta famille aussi. On a fait une ponctuation. Hein. Mais l'autre il me montre toi et lui, non, moi je suis pas d'accord. Mais quand même s'appeler le point et ne pas avoir un autographe comme tout le monde, je trouve que c'est pas rendre hommage à notre orthographe français. Non mais avec le pseudo là sur mon chat, je peux me la péter, je reçois le journal le point. On pourrait le croire. Le journal le point. Bah oui. Ouais. Ça endort, hein, la route. Hein.
Moi ça va, oui, je sais qu'il y a un côté psychédélique, etc. Mais c'est vrai qu'on est entre nous, on papote, ça détend, c'est très bien. C'est tout ce que je demande, moi. Et moi je vous écoute. Et je raconte des âneries. Et pour mettre un peu d'animation, non, je ferai pas ça. Des âneries, t'en as fait aussi, hein. Merci, t'as atteint ton quota du jour. T'as du jour. T'as fait ton vilain. Non, je dis. Mais c'est beau, ça fait réaliste, hein. De nuit, là, on s'y croit, ouais. Ouais, ouais, franchement. Et ils ont rajouté un espèce de filtre gris. Ils ont terni les couleurs la nuit. Ah ouais. Ouais, les couleurs sont moins vives. C'est vrai. Avant, c'était vif, hein. Puis les couleurs, les routes étaient toutes. Limite, c'était du pixel, quoi. Enfin, c'était du. Limite, c'est. Ah ouais. Et très, très épais, quoi. Enfin, c'était très. Ça faisait très plastique. Là, c'est beaucoup mieux réussi. Et encore, pour pas faire surchauffer mon ordi, là, parce qu'on est encore en été, je mets quasiment les graphismes au minimum. Alors, en hiver, je vais grappiller un petit peu au niveau de du graphisme pour que ce soit plus joli. Et ça rend déjà vachement bien, quoi. Tu fais pas très chaud en plus en ce moment sur Nancy. Ouais, mais bref. L'habitation. Ouais. Non, pour moi, je suis pas encore dans mes températures normales. Enfin, normales. Je pousserai mon ordi quand la température de ma pièce de vie sera en dessous des 20 degrés. Là, j'ai 23. Donc, tu vois, déjà. Non, je vais pas faire le fou. Et il faut que je ménage mon ordi, hein. Excusez-moi, mais. Oui. Il y a certaines pièces de mon ordi qui ont plus de 10 ans, hein, qui en ont même 15. Ouais. Alors, oui. Là-dessus, je suis écolo, hein. Mes pièces, je les change pas à tour de bras par un phénomène de mode. J'attends qu'elles grillent complètement avant de la remplacer. La preuve, vous en est faite avec ma précédente carte graphique. Et surtout, je vais dire. Au pire, si t'as besoin de rechange, tu demandes à Twinsen, vu qu'il a un ordre préhistorique. Refaire l'ordi, oui. Oui, bah, un ordi, ça dure longtemps, non? Une carte mère, un truc comme ça, ça dure longtemps, quoi. Une décennie. Quand on prend soin un ordi, quel qu'il soit, ça dure une décennie. Ouais. C'est ça, et puis on fait pas d'overclocking, ça dure encore plus longtemps. Oui, ah oui, bah oui, forcément. Et une exception quand même pour les portables au niveau des batteries, ça dure pas 10 ans, mais. Non. L'électronique en général, la carte mère dure 10 ans si vous en prenez soin. C'est l'âge normal, l'âge de la retraite normale d'un ordi, c'est 10 ans d'utilisation. Je me rappelle l'ordi de mes parents, ça faisait 15 ans qu'il tournait, il tournait toujours à la même vitesse au bout de 15 ans. Il n'avait pas perdu de puissance. Ouais, c'est l'époque du Pentium 200 MHz avec une carte mère, je crois que c'était Asus. Ouais, bah, c'est il y a un accident là ou quoi? Oui, il n'y a plus qu'une voie là. Bon alors tu passes mon vieux là. Oh, mot du genou, vas-y, appuie sur l'accélérateur. Merci. Ça parle mal, mais franchement, le gars, il était trop prudent là. Il a retourné son camion. Ah non, ça c'est le camion de carré de. Ah, c'est une voiture qui a complètement calciné, quoi. Ah ouais, il y a carrément la police. Ouais, c'est réaliste. Ah, faut regarder s'il y a pas de Nash dedans. Je me méfie. Pauvre Nash. Il prend pour son grade. C'est pas très. La violence de la modération, comme on disait tout à l'heure. Entre confrères, on a le droit. De se donner des coups de fouet gratuits. Ah là, c'est ça. Non, mais je suis peut-être dedans, hein, vous ne savez pas. Oh merde. Tiens, du coup, tu dis ça, je fais un écart là. Tu m'as déconcentré. Attendez, monsieur, arrêtez-vous sur le bas-côté. On va faire un petit contrôle. Vous allez souffler dans le ballon. Le fameux d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude. Ah, tu sais, ça va. Si je mets du temps à comprendre ta blague, bonne fan. Au début, ils disaient ballon d'eau chaude. Pourquoi ils parlent d'un ballon d'eau chaude? C'est un ballon à air chaud dans le ciel, donc je prends pas l'air froid. Mais en fait, il voulait parler avec le cumulus, le nuage dans le ciel, et le ballon d'eau chaude dans le ciel. Le ballon d'air chaud. Bah oui. Tu fais quoi, le sage? Je m'arrête sur le côté pour faire le tableau mystère. D'accord, je vais m'arrêter devant. Vas-y, fais-toi plaisir. Attends, je coupe le phare. Enfin voilà, je laisse les warnings. D'ailleurs, on met les warnings. C'est quel touche les warnings? Bah, ça dépend. Moi, je l'ai programmé sur ma manette. Alors, si je te dis flèche du bas de la manette, ça va pas t'aider. Je l'ai cherché dans mes raccourcis. Je le fais par défaut. Le tableau mystère. J'en rigole. Plus de temps que prévu, hein, mais.
la livraison de ses termes. Oui, mais c'est bien. Derrière, on fera livraison de chantier, puis tant pis si je termine à minuit. Je sais pas si tu pourras me suivre jusqu'à minuit, Nainonette. Oui, il faut que je bosse un peu demain. De toute façon, je rediffuserai exceptionnellement demain après-midi, mais il faut que je bosse un peu demain, vous ne me verrez pas demain matin. Mais c'est pas grave, ça... Voilà, bon, vous en faites pas. De toute façon, pas. Demain, c'est le lundi. C'est rare que tu stimes le lundi matin. Non, je vous diffuse les promotions. C'est pas ça que je voulais faire. Bon, concentration. C'est une pub à Steam. Tableau mystère. Voilà. On en était là. Ah, belle réduction. Oh là, il faut que je regarde si vous avez trouvé des bonnes réponses. Attendez voir. Le monde sur le monde sur la route. Mon Dieu. Voyons voir si le point a des connaissances. Déjà, il faut que je rouvre mon tableur et tout le schmilblick. Que je regarde les réponses. Bam, bam, bam. J'ai une musique. Alors que mon tableur est en train de s'ouvrir, je vais regarder vos réponses. Ah oui, merde, j'ai fait sauter mon... Ah oui, c'est vrai que j'ai fait sauter tout le bazar. Oh là là. Quand le navigateur a bugué. Alors, que je vois la liste des réponses. Oh, 13 réponses. Je sais pas s'il y a des âneries. S'il y a des âneries. Avec une scène, il y en a toujours. Ouais, ouais. Et moi aussi, puisqu'il m'entraîne dans ces âneries. Alors, il y a une scène justement qui disait à un moment, fun fan après 3 verres. Cherchez dans cette image. C'est malin ça. Bref. Alors, déjà, il faut que je mette la date du jour pour ceux qui ont bien répondu. Il faut peut-être déjà que je sélectionne la bonne case, ce serait bien. Ah merde, je suis pas dans le bon mode. 11, 9, 22, voilà. Alors, qui a dit quoi? Je pourrais bien me copier-coller d'ailleurs les réponses, que je fasse ça plus vite. Voilà, les réponses sont là pour moi. Je vais me remettre dans mon truc à pointer les réponses. Voilà. Alors, merdoum, je me suis planté une fois de plus. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait faire. Alors, je vais commencer à regarder. N'hésitez pas à jouer, allez-y. Un point d'exclamation TM suivi de votre réponse. Je peux... Ouais, je vais faire comme ça. Alors, je vais commencer par le bas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la règle. Ouais. Comme merci. Gabriel qui vient pas souvent, par exemple. Exact. Tu as très bien fait, merci. Ou le point. Ah bah, tu t'es vengé, fun fan. T'avais répondu, tu une scène à fumer le calumet de la paix. Ah bah, bien sûr. Par contre, je sais pas pourquoi c'est sorti de nulle part, t'as mis comme proposition fun fan cadeau Anthony contre Aerostar. Je t'ai dit quand il met dans des bêtises. Ce jour-là, il y avait cadeau Anthony et donc je voulais le taquiner. Alors, ouais. Y a-tu une scène qui a déjà trouvé une bonne réponse? Je vous laisse encore quelques secondes. Une fois que j'ai déclaré un jeu déjà trouvé, vous ne pouvez plus revendiquer la bonne réponse. Je ça regarde dans 2 petites minutes. Non, je t'en prie, vas-y. Ça a été trouvé, ça. D'ailleurs, je vous cache pas que je suis un peu tristonné que vous l'ayez pas trouvé. Il s'agissait de Redneck Rampage, qui est un bon vieux FPS rétro que je n'ai pas la chance d'avoir, mais peut-être que plus tard j'en ferai acquisition pour vous le faire sur mon antenne. J'avais essayé la démo quand j'étais ado. Et alors, quand on dit Redneck, ça parle mal. On traduit brièvement en nuque rouge pour, en gros, les cutéreux de, américains. Les Texans, les Rednecks. Alors, tu une scène qui est pas là, je dois taper son pseudo en intégralité pour lui attribuer ses 500 points. Voilà. Rien ne te parle, Christella, dans le tableau. Bon, je sais que la difficulté est relevée dans mes tableaux, mais... Ah, dommage. Donc déjà, tu une scène, on a trouvé un premier. Je vais voir vos autres réponses. Alors déjà, je vais supprimer celles qui ont été bonnes.
Oui. Le Z11 vient de passer à 5600. Et des brouettes. Non, 5600. Tu veux dire 5 millions et 600 000 euros, c'est ça? Oui, voilà, ouais. Merci. Il faut que je remate mes... Moi-même, je vous avoue que je connais pas toutes mes compositions de tableau mystère. Il y a des jeux qui m'échappent, donc je suis obligé d'aller dans le fichier regarder mes compos pour retrouver quel élément d'image correspond à tel jeu. Que je mette bien le déjà trouvé au bon endroit. Sans quoi j'invaliderai moi-même mon propre... Donc le jeu en question, c'est ça. Ah d'accord, ok. Alors, voilà, vous devinez que c'est le genre de jeu que j'ai pas fait, moi, dans ma carrière de joueur, on va dire. Une fois de plus, il n'y a que Twinsen qui l'a trouvé. C'est l'élément là, le truc de viseur. En fait, ça correspond à un jeu qui s'appelle Belle Dame. En 6 lettres. B-E-L-D-A-M. La suite, c'est Beau Monsieur. C'est possible, va savoir. Allez. Et ben voilà, j'ai vraiment mon tueur de tableau. Bravo à lui. Alors, je fais le tri de ça. Bon app hein, pour ceux qui passent à table, c'est vrai que c'est l'heure. Moi, je suis surpris de ne pas avoir faim. Je m'en étonne moi-même. Enfin, je regarde quand même un truc auprès de vous, là. Le temps de faire la soirée camion. Qu'est-ce que je voulais... D'ailleurs, je suis pas dans la règle de Twitch, eh oh. Il faut que je me déclare en... En just chatting.